Bonsoir à toutes et à toutes. Bienvenue pour cette nouvelle émission sur l'inconscient. Avec le passionnant Jean-Frédéric Boulier. Bonsoir Jean-Frédéric. Bonsoir Jatte. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que tu vas bien. Oui, je vais très très bien. Oui, je vais très très bien. Tout va bien. Voilà. Donc, bienvenue pour cette nouvelle émission donc sur l'inconscient. Et je rappelle encore une fois combien c'est important de travailler sur son inconscient, puisque nous sommes faits à 90% d'inconscient, et que cet inconscient, ben, justement, nous le projetons dans notre quotidien. Et donc, c'est bien d'apprendre à le connaître, pour mieux se connaître, de manière ensuite à avoir plus de fluidité, de comprendre aussi l'interaction et le sens aussi des événements que nous vivons, puisque très souvent, quand c'est pas complètement, toutes les expériences que nous vivons sont liées justement à cet inconscient qui se révèle au fil du temps, au fil des cycles que nous traversons, pour pouvoir faire grandir notre conscience. Voilà, j'ai à peu près tout dit, résumé. Voilà, donc je rappelle très bien. Aussi. Voilà, je rappelle aussi. Programme, j'allais dire. voilà, tout à fait. Alors, je rappelle donc pour les auditrices, les auditeurs, les spectateurs, les spectatrices, comment ça se passe? Eh bien, tout simplement, donc j'ai créé en 2018 donc un jeu de cartes que je montre ici un peu à l'antenne, voilà. Voilà, ce jeu de cartes, en fait, il est fait de 52 cartes. Donc, il y a une partie qui permet de connaître son inconscient. Donc, il y a un premier tirage donc qui va de la carte 1 à la carte numéro 30. Et puis ensuite, donc, il y a un deuxième tirage qui va de la carte 31 à la carte 52. Donc, le premier, je répète, permet de débusquer, en quelque sorte, de révéler son inconscient. Et puis, la seconde carte, c'est l'axe de guérison qui va vous permettre justement de pouvoir le transcender. Et c'est forcément le bon, puisque c'est vous qui allez donner donc la solution, puisque vous avez tout en vous. Ne l'oubliez pas, vous êtes complet. Alors, il y a... Bon, pour ceux qui ont le jeu de cartes, donc il y a un premier tirage, c'est une carte avec l'endo bleu, et ensuite il y a un deuxième tirage avec l'endo orange. Voilà. Et puis à ce jeu de cartes, bien entendu, est associé un livre, puisque chaque carte est numérotée, et donc vous avez sur chaque carte l'explication de la peur ou de la qui est liée à cet inconscient, comment la surmonter, avec aussi les élixirs floraux qui vont avec et qui peuvent aider justement à transmuter cette peur. Voilà. Alors, j'arrive aussi des fois à le croiser avec un thème, je lui fais aussi des fois de le croiser avec avec une date de naissance, parce que quand on a un alignement parfois compliqué, ben, ça permet aussi de pouvoir clarifier certaines choses. Voilà. Ben, je crois que j'ai à peu près tout dit. Alors, il y a peut-être déjà des gens. Alors, il faut me donner deux numéros de cartes. Le premier, donc la première carte, donc du numéro 1 au numéro 30, et la seconde du numéro 31 au numéro 52. Alors, il faut pas réfléchir quand on donne les. Alors, pour l'instant, oui, je disais, pour l'instant, on a beaucoup de bonsoir. Bonsoir. Donc, bonsoir à tous. Je suis ravie de voir qu'il y ait autant de monde. Super. Et donc, voilà. J'attends vos numéros pour les faire passer à Jean-Frédéric avec plaisir. Voilà. Voilà. Alors, pour les numéros… Tu voulais rajouter quelque chose, Jean-Frédéric? Oui. Pour les numéros, si vous désirez bien sûr passer… Ne cherchez pas un numéro. C'est un numéro qui vient spontanément. Hein. C'est pas dire j'aime bien le 17, je vais dire le 17. Non, il faut tac.
voilà. C'est le numéro qui vient. Point. Faut que ça vienne, voilà. Alors, il y a. J'ai vu qu'il y avait une personne qui a mis le 58. Si je me souviens bien, le 58, c'est pas possible. C'est trop. Non, non. Non, non. C'est de 30 à 52, c'est ça? C'est de 31 à 52 pour le voilà. Deuxième tirage. Donc de 1 à 30 pour la. De 1 à 30 pour la première carte, enfin pour le premier tirage. Chiffre. Et ensuite, donc de 31 à 52 pour le deuxième. Alors, tu veux commencer? Ça commence à arriver là, les dates et les chiffres, pardon. Donc, si tu veux, on peut commencer. Tu es prêt? Oui, oui, moi, je suis prêt, c'est tout ce qu'il faut. Allez, c'est parti. Alors, il y a l'ordi. L'ordi, c'est original. Qui dit le 5 et le 45, s'il vous plaît, avec un joli smiley qui sourit. 5 et 45. Voilà, alors je montre la carte. Voilà. Voilà, là voilà la numéro. Voilà. Donc c'est marqué 5, c'est la carte existée. Avec une citation donc de François Mitterrand qui dit « Je n'ai pas peur de mourir, j'ai peur de ne plus exister. » Donc que me révèle cette carte? Alors, c'est lié à la vie. C'est lié à comment dirais-je en fait on pense que la vie c'est le corps physique. Alors on est dans l'inconscient là, hein. Attention, hein. Faut bien comprendre que quand on travaille sur son inconscient, ça veut dire que nous ne sommes pas ce que nous pensons être. On peut très bien concevoir quelque chose et avoir un inconscient qui pense le contraire. Donc, ça crée effectivement ça peut créer des nœuds énergétiques puissants. Hein. Donc, la carte 5, en fait, donc, me dit c'est la peur de ne plus exister. Hein, ça veut dire que, en fait, on a une croyance inconsciente qui dit que la fin de la vie s'arrête à la mort physique, point barre. Donc, c'est la peur de ne plus exister, de ne plus laisser de traces, de ne plus laisser de souvenirs, de penser que on va définitivement disparaître et qu'après il y a un vide absolument gigantesque. Voilà. Voilà. Donc c'est l'angoisse de la mort. C'est l'angoisse. Oui, c'est l'angoisse de la mort. C'est l'angoisse du passage. Hein. Alors c'est une réponse. Alors la surmontée. Bon, c'est une réponse qui est à la fois simple et complexe. Hein, c'est-à-dire que comment dirais-je? Il faut bien entendu comprendre une chose, c'est que l'ego, parce que ça, c'est un rapport par rapport à l'ego. On est composé de trois choses, hein, je le répète encore une fois. On est composé d'un ego, qui est le patron des cinq sens. On est composé d'une âme, c'est-à-dire d'une essence. Et on est composé d'un corps physique. Bon, l'ego, donc, c'est le corps électromagnétique, c'est les pensées, c'est tout ce genre de trucs. Et l'ego, lui, il est toujours en mode survie. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'ego, lui, il va d'un passé à un futur en oubliant le présent. Or, notre âme, elle est toujours au présent de l'indicatif. Et c'est un paradoxe, mais c'est, eh bien, on vit toute notre vie au présent de l'indicatif. Là, je suis en train de vous parler, maintenant, je suis au présent de l'indicatif. Dans 10 minutes ou dans un quart d'heure, je serai encore là. Je serai encore au présent de l'indicatif. Il faut en avoir conscience de ça, c'est important. Parce que si on vit comme ça, on s'aperçoit qu'on n'a plus de passé, on n'a plus d'avenir, on a simplement un présent et que ce présent, on le vit en conscience. À partir du moment où on va changer ce paradigme et qu'on va être justement dans cet instant présent salvateur, eh bien, on va vraiment, à ce moment-là, exister et vivre en pleine conscience. Donc ça, c'est important. Donc, alors, comment on fait pour vivre, être dans son instant présent? Ben, c'est bien sûr de travailler par la méditation, mais c'est aussi,
il faut s'ancrer. Hein. Généralement, les gens qui ne sont pas ancrés ont peur de plus exister. Donc, il faut s'ancrer, il faut travailler son ancrage. Alors, si je reprends donc la dite carte, on peut céder donc des élixirs floraux suivants. Amandier et mauve aident à surmonter la peur de vieillir. Voilà. Donc, c'est j'élimine la croyance que je vais disparaître. J'élimine la croyance que je suis vieux. Donc, j'existe, je suis l'univers, j'ai le droit d'exister, je suis à moi à chaque instant, etc., etc. Voilà. Alors, après, donc, la carte numéro 45. Alors, comme dit la carte numéro 45, je vais aller la chercher. Franchement, ça répond bien. Voilà. Je la montre. C'est se sentir vivant. Parce que quand on se sent vivant, eh bien, on est dans son instant présent. C'est tout simplement ça, se sentir vivant. D'ailleurs, il y a une phrase que j'ai mise, enfin, qui n'est pas de moi, bien sûr, mais on ne se sent jamais aussi vivant que lorsqu'on renonce enfin à la souffrance. Et oui, c'est se sentir vivant, c'est se sentir être, c'est se sentir exister. Alors, si je prends la carte numéro 45, eh bien, alors j'y vais, voilà. Voilà, donc debout devant le miroir de votre salle de bain, commencez par regarder votre reflet. Pour se sentir vivant, il faut commencer par s'aimer soi-même. Parce que si on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas aimer les autres. Donc c'est déjà prendre conscience d'aimer son corps, d'aimer son sourire. C'est de pouvoir se regarder dans la glace tous les matins et de se dire, je t'aime. Pour ceux qui ne s'aiment pas, je vous donne un petit truc. Vous prenez un post-it, vous faites un cœur. Dans ce cœur, vous mettez votre prénom et vous le collez donc sur votre glace de salle de bain et vous dites, si je prends un prénom comme ça au hasard, Muriel par exemple, Muriel, je t'aime et je te souhaite une belle et merveilleuse journée. Et vous faites un sourire. Et le miroir, la loi miroir, le miroir vous rendra ce sourire-là. Ce sera le début en fait de vous sentir vivant. Parce que n'oubliez pas une chose qui est très simple, c'est que chaque fois que vous ouvrez chaque matin une nouvelle journée, elle est propre, elle est immaculée cette journée. Et c'est uniquement vous qui allez décider si de cette journée, elle va bien se passer ou au contraire, elle va mal se passer. C'est vous qui décidez en fait si cette journée va bien se passer ou pas. Donc, démarrez votre journée du bon pied. Souriez, soyez vous, soyez authentique, pratiquez la gratitude et vous allez voir que vous allez très très rapidement vous sentir vivant. Voilà, on pourrait développer, hein, mais voilà donc pour l'ordi. Alors l'ordi, merci de faire mon retour. Voilà. Merci beaucoup, merci l'ordi et merci Jean-François. Super. Jean-Frédéric. Oui, j'ai dit quoi ? Jean-François, je suis sûre que j'ai dit Jean-François. C'est ça, non, c'est Jean-Frédéric. Jean-Frédéric, pardon. Non, mais c'est pas grave. C'est pas Jean-Frédéric, grave. Merci. Oh là là. Et pardon, parce que j'étais en train de répondre à Marie-Ange qui n'avait pas eu le temps de noter les élixirs que tu avais dit, l'élixir de mauve et d'amandier. Tu sais, pour surmonter, pour aider à surmonter la peur de vieillir. Donc, D'accord. Voilà. Alors, je vais le lui redire, parce que je ne sais pas par cœur. C'était pour la carte 5. Oui, c'est la carte numéro 5. Mais j'ai regardé. Ah, voilà, c'est ça. Eh oui, puisque tu l'as, toi. Voilà, donc c'est amandier et mauve. Oui. C'est ça, puisque tu l'as. Amandier et mauve, voilà, aide à surmonter la peur de vieillir. Voilà. Voilà. Donc, excuse-moi, je n'étais pas tout à fait présente avec toi. Alors, il y a Marie-Ange donc, aussi qui s'était trompée dans les chiffres et donc qui a corrigé et qui dit le 17 et le 52. D'accord. En attendant que l'ordi envoie un petit retour.
D'accord. Donc la 17 et la 52. Alors, oh, c'est une carte intéressante, la 17. Ça me montre la carte de la sexualité. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette carte de la sexualité? Bon. Donc, il y a peut-être derrière tout ça, alors, un problème inconscient lié, bien sûr, à tout ce qui touche la sexualité. Donc, quelque part, il y a une peur, entre guillemets, hein, on peut dire ça comme ça, il y a une peur de la sexualité. Alors, il y a plusieurs peurs dans la sexualité, hein, ce serait, on pourrait parler de ça pendant très très longtemps. C'est soit la peur de la sexualité, peur de sa propre sexualité, peur d'avoir un rapport avec quelqu'un, peur de ne plus avoir, peur de peut-être de ne plus pouvoir avoir de rapport avec quelqu'un, etc., etc. Il y a énormément de choses par rapport à ça. Voilà. Il y a aussi une peur inconsciente, peut-être par rapport à l'acte lui-même, qu'on peut considérer comme dégradant. Ou au contraire, c'est par rapport à la jouissance, entre guillemets, que l'acte va déclencher. Bon, donc il y a énormément de situations, en fait, inconfortables qui sont liées, en fait, à ça. Voilà, on peut avoir aussi, par rapport à la sexualité, un sentiment de victimisation. C'est-à-dire de se dire, voilà, est-ce que je suis obligé d'avoir des rapports sexuels avec X, Y, Z, ou est-ce que je ne suis pas obligé d'avoir des rapports sexuels avec X, Y, Z? Voilà, il y a énormément, voilà, ça peut être aussi par rapport à la séduction, ça peut être aussi par rapport à son corps, le fait de ne pas aimer son corps, ou de penser que l'autre ne va pas aimer mon corps, etc., etc. Il y a énormément de choses par rapport à ça. Bon, toujours est-il que le fait d'avoir peur peut, bien entendu, déclencher le fait d'avoir une vie sexuelle effectivement très pauvre. Hein. Il faut penser quand même une chose, c'est que l'énergie de la sexualité est une énergie, est l'une des plus puissantes du corps physique. Hein. Donc c'est lié, bien entendu, la sexualité est liée à la reproduction, mais c'est lié aussi au couple, à la fusion, etc., etc. Donc c'est quelque chose qui va très loin. Voilà. Alors, comment on surmonte ces... Parce qu'il y a aussi derrière la peur de la sexualité quelque chose qui est assez manichéen, c'est-à-dire la peur du bien et du mal. Est-ce que c'est bien d'avoir... Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Hein? On a pu avoir, alors ça c'est logé dans l'inconscient, on a pu avoir, alors ça peut être soit dans son enfance très tôt et de vagues souvenirs, soit dans son entourage, soit dans une vie antérieure, des blocages importants ou des traumatismes, ça peut être des viols, hein, ça peut aller jusque-là, hein, qui font qu'il y a un nœud très très important par rapport à ça. Alors, comment on la surmonte? Ben, on apprend à s'aimer sans se juger, on juge pas les autres. Et puis, bien entendu, bon, après, il faut consulter un sexologue ou un somatothérapeute. Enfin voilà, après, on va rentrer dans une thérapie plus profonde, hein, parce que, alors, les phrases d'une manifestation, c'est je suis une manifestation de Dieu sur la terre, donc ma sexualité est aussi une manifestation de Dieu. J'utilise ma sexualité pour m'élever spirituellement. Je suis le seul maître de ma vie sexuelle, etc., etc. Et en élixirs floraux, il y a donc l'hibiscus, le pommier sauvage, le basilic, le bétoile, le mimulus orangé. Voilà, il y a plein d'élixirs floraux donc qui peuvent permettre de pouvoir aider pour surmonter ce problème. Alors, elle a dit après donc le 52. Le Ben, le 52 va répondre, à mon avis, assez bien à ça, puisque je la montre, hein, c'est oser. Donc, le plus grand échec est de ne
et de ne pas avoir le courage d'oser, donc c'est oser. Donc en fait, là, ben, c'est oser, en fait, transcender ce problème sexuel. Donc ça peut être enfin oser à avoir des rapports sexuels, oser à se dépasser, oser à aimer son corps, oser aller plus loin, donc avancer. Voilà, il faut sortir en fait de cette zone d'inconfort dans laquelle on est pour pouvoir après enfin vivre sa sexualité de manière beaucoup plus épanouie. Voilà. Mais encore une fois, si on a le bon partenaire à côté, eh bien les choses se passeront bien. Il n'y a pas de raison que voilà, je veux dire. Bon, ben voilà à peu près ce que je peux dire pour ces deux cartes-là. Après, bon, bien sûr, pour la carte sur la sexualité, on pourrait dire plus de choses, mais voilà. Pour Marie-Ange. Super. Super, super. Elle avait mis sa date de naissance plus haut. Est-ce qu'on en a besoin ou c'est bon? Ben, je sais pas, c'est quoi sa date de naissance? Alors, je te dis ça tout de suite. Attends, je remonte. Parce que, hop. Ici. Alors, elle est née le 20 décembre 58. Alors, 20, 12, 58, d'accord. Donc, ça me fait 8 et 2, 10. Très rapidement. Petite seconde, tant que je calcule tout ça. 1 plus 9 plus 5 plus 8, ça me donne donc le 23. 23 plus 12 plus 20. Ah ouais, ça me donne le 55, ça me donne le 1. Donc ça me donne le chemin de vie 1. Donc le chemin de vie 1, c'est le chemin de du comment dirais-je? Le 1, c'est le la capacité de se réaliser par soi-même. Donc on voit que dans son, enfin dans ce, dans sa lune, c'est-à-dire dans son, au niveau de son ego, au niveau de son mental, elle a le chiffre 2. Donc elle a le chiffre de l'associatif. Donc si je reprends la carte de la sexualité, c'est lié à l'associatif. Oui. Donc quelque part, il y a, voilà, donc il y a une peur quelque part de l'associatif. Il y a un point d'interrogation, donc il faut oser, parce que son âme nous donne le 12. Et que me dit le 12, si je fais 1 plus 2, ça me donne le chiffre 3. Le 3, c'est la communication. Donc la communication, c'est le résultat de l'association. C'est-à-dire que quand on associe, ben, on apprend à communiquer. Voilà. Donc effectivement, la sexualité, ben, c'est une communication physique, tout simplement, par rapport à l'autre. Et ben, il faut oser justement pour aller vers l'autre et communiquer avec son corps. Puisque là, c'est une communication complète, puisque ça se fait avec le corps physique. Et là, en corps physique, donc le chiffre 23, 9 et 1, 10, je crois que c'est ça. Je vais le refaire, mais je crois que c'est ça. Une petite seconde, que je dise pas de bêtises quand même. 1 plus 9 plus 5 plus 2. Oui, c'est ça, ça me donne le 23. Alors, c'est vraiment CQFD, c'est-à-dire que son corps physique, c'est 23. Donc, ça reprend le 2 du mental, l'association, et le 3, la communication. Donc, si on fait 2 plus 3, ça me donne le chiffre 5. Le 5, c'est l'alchimie. C'est je me transforme, je me réalise. Donc, bah, justement, pour se transformer, bah, il faut oser. Donc, il faut mettre la clé dans la serrure et puis commencer à tourner. Voilà. C'est simple, c'est tout simplement ça. Voilà. Donc, il faut apprendre à s'aimer. Il faut que, tout simplement, que Marie-Ange apprenne à se faire confiance. Hein, voilà. Pour qu'elle prenne confiance en elle, qu'elle se donne confiance. Elle peut travailler avec son ange pour ça, notamment. Et puis voilà, et puis à partir du moment où elle va communiquer avec son corps, et ben petit à petit, elle va pouvoir avancer positivement. Voilà. Super, c'est super. Merci beaucoup. Quelques petits conseils. Jean-Frédéric, oh là là. Et merci beaucoup Marie-Ange pour
pour ta question. Alors, on a un petit retour de l'ordi qui dit « C'est très inconscient car je vois, je crois à la vie après la vie. Donc, pas peur de ne plus exister. Par contre, j'ai peur de la mort, de ce que j'aime, ce qui m'empêche sûrement d'exister pleinement. Merci. » Alors, voilà. C'était la personne qui avait tiré le 5, tu sais, en première carte. La peur de ne plus exister. Oui, c'est ça. C'est très inconscient, mais car je crois à la vie, après la vie, donc bah, voilà. Mmh. Alors, c'est ça. C'est cette carte-là. Mmh. Ouais, c'est ça. Alors, ce qu'elle me dit là, c'est très parlant. Parce que on peut dire, oui, je crois. Oui, je crois que effectivement demain. Alors, je résume un peu. Si demain je dis, je crois que demain il va faire beau. Bon, je crois. Mais qu'est-ce que c'est que croire ? Croire, c'est une croyance. Hein ? Bon, donc si on croit la croyance, elle va se réaliser. Mais quand on dit on sait que la vie est éternelle, c'est plus qu'une croyance, c'est une certitude. C'est une certitude. Et quand on est vraiment certain que la vie continue après, ben, de toute façon, tous les gens qu'on a autour de soi, eh ben, ils seront là de toute façon, puisque on est dans une espèce de jeu de rôle dans lequel chacun tient un rôle. Alors, il y a ceux qui tiennent le bon rôle, et puis il y a ceux qui tiennent aussi un rôle un peu plus parfois désagréable, mais que tout ça, c'est un jeu de rôle. Hein, et que de toute façon, comme on s'incarne par famille d'âme, ben, on sait très bien que on va se retrouver après pour pouvoir discuter de tout ce qu'on aura vécu. Puisque là-haut, le temps n'existe pas. Donc, on est dans un éternel présent. Mais on s'incarne dans cet espace-temps-là. Pourquoi ? Parce que il y a le facteur temps et que c'est le temps qui permet de créer l'expérience. Puisque là-haut, il n'y a pas d'expérience créée. On est dans l'immédiateté des choses. Voilà. Donc voilà. Donc, il faut être rassuré en se disant que de toute façon, tous les gens qu'on a ici autour de soi et qu'on perd parce que ils sont plus âgés ou que des fois on peut les perdre, surtout en ce moment, on vit une période un petit peu surréaliste et il y a beaucoup de décès comme ça. Enfin, en tout cas, j'apprends autour de moi, ça me touche pas directement, mais enfin, des gens, des voisins, etc., des gens qui étaient en très bonne santé, qui décèdent, qui partent d'un coup. Et voilà, bon. Alors, c'est vrai que ça nous fait réfléchir par rapport à ça, en disant, mais pourquoi, etc., etc. Bon, faut comprendre que on vit tous à peu près la même chose, mais à des moments différents. Et c'est ce décalage temporel, en fait, qui fait que on va vivre quelque chose de peut-être désagréable, mais il faut transformer ce désagréable en agréable pour comprendre que la vie est éternelle. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que la vie est éternelle et que la mort n'est simplement qu'un changement d'état. Hein ? La mort n'est qu'un changement d'état et que tout se transforme de toute façon. Hein, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Lavoisier. Mais bon, voilà, tout se transforme et que c'est en se transformant que nous évoluons en conscience. Il faut aussi comprendre, il y a aussi une chose, je le dis pour les gens qui nous écoutent, c'est que la conscience n'est pas produite par le corps physique, hein, je les rassure. Voilà, la conscience n'a rien à voir avec ça. Hein. C'est la conscience qui nous fait prendre conscience que nous sommes dans un corps physique et non pas l'inverse. Voilà. Non pas que c'est le cerveau qui produit effectivement le fait. Voilà. Bon, enfin, j'ai un peu fait une digression là, mais j'ai un peu rebondi sur la réponse de l'ordi là. Non, mais c'était très intéressant. C'est vrai qu'il faut
On a vite fait de confondre conscient et inconscient et de ne pas voir que vraiment c'est inconscient. Voilà, c'est enfin, ça. je ne sais pas si j'ai été claire, mais bon. J'ai fait un raccourci encore plus petit. Alors, il y a Marie-Ange qui te fait un petit retour, qui dit « Merci Jean-Frédéric ». Alors, totalement dans le vif, la peur est bien là, mais trop de situations à décortiquer. Mais avec la date de naissance, oser communiquer, merci beaucoup. Et elle rajoute, je vais commencer ce jeu, il est top, je le conseille, il est vraiment génial pour évoluer. Il, voilà, alors, il aide vraiment à prendre conscience justement de l'inconscient. Voilà, donc pour j'en profite, bon, parce que c'est vrai que j'en ai pas encore parlé, pour ceux qui désirent ce jeu de cartes, bon, moi j'en ai encore quelques exemplaires chez moi, donc on peut me joindre, et puis on peut me joindre par mail, et à ce moment-là, bon, je vous enverrai le jeu dédicacé, si vous le voulez. Sinon, ben, vous contactez directement mon éditeur, qui s'appelle Nombre 7, et on peut le trouver directement sur Internet. Voilà, donc, pas plus compliqué que ça, mais si vous le trouvez je montre. Voilà, tu peux le montrer. Je le montre, voilà. Donc ça, c'est le livret qui est quand même assez conséquent. Hein. C'est voilà. Ça. Et le jeu. Voilà. Voilà. Je me permets, excuse-moi. Non, mais tu as bien fait, Voilà. Bon, eh bien, merci beaucoup, Marie-Ange. Hop là. Je vais remonter. On continue ? Oui, bien sûr. Alors, ouais, il faut que je remonte. Je suis désolée, ça prend un peu de temps, mais on discute pas mal en fait sur le chat ce soir. Je remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui se parlent et tout. C'est assez sympathique. C'est très bon enfant. C'est vraiment génial. Donc du coup, il y a beaucoup de messages à remonter en fait pour chercher les chiffres. Donc alors là, c'est Virginia Fantoni. Grand bonsoir, Virginia. Je ne sais pas si tu te souviens, Jean-Frédéric. Oui, Virginia, très bien. Qui a fait l'atelier avec nous. Donc, elle nous dit le 24 et le 50. Oui. Et oui, Virginia. Ah, elle me sort la carte du noir, black. Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Non, mais en fait, le noir, c'est la peur du noir, c'est un peu la peur du néant. C'est quand il y a quelque chose qui, tout d'un coup, claque, s'arrête. Il y a quelque chose qu'on vit là, puis tout d'un coup, paf, il y a le rideau qui tombe, il n'y a plus rien. C'est ça le noir, hein, la peur du noir. Pouf, il n'y a plus rien. Oh, on ne comprend pas, on ne sait pas ce qui se passe. La peur du noir. Pour les enfants, donc la peur du noir est une peur répandue chez les enfants et à un niveau spécifique chez les adultes. Donc, la peur du noir n'est pas habituellement une peur du noir en lui-même, mais une peur des dangers, de dangers possibles ou imaginés, cachés par le noir ou encore une peur d'être aveugle. La plupart des analystes rapportent que la peur du noir se manifeste rarement avant l'âge de 2 ans. La peur du noir est une manifestation. Alors, c'est là où j'en viens à ce que je disais donc au début. La peur du noir est une manifestation de l'anxiété de la séparation. C'est-à-dire qu'on a peur de perdre quelque chose. On a peur de perdre parce que si on perd, on est tout seul et on est perdu. Donc, comment la surmonter? Comme pour apprendre à nager, donc il convient de s'habituer petit à petit à l'environnement dans lequel vous évoluez. Plonger tout de suite dans le grand bain ne ferait qu'accentuer le sentiment de panique. Donc, quand on est dans la pénombre, c'est trouver une position relaxante, c'est se concentrer sur sa respiration, c'est s'ancrer. Donc, les phrases de méditation. Je connais cet endroit, je suis en sécurité, je crée ma réalité. Je ne suis pas mes pensées, je suis l'observateur de mes pensées. Parce que là, encore une fois, donc le noir, c'est lié au corps électromagnétique, hein, c'est lié aux pensées.
Quand on dit qu'on broie du noir, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein, quand on a des idées noires, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Voilà. Donc, je pense que pour Virginia, c'est plutôt au niveau des idées noires. Voilà, donc il faut travailler sur son corps électromagnétique, hein, en sachant que les pensées, nous ne sommes pas les pensées. Hein. Les pensées ne nous appartiennent pas. Mmh. Alors, elle me donne après le numéro 50. 50. Ouais. Alors le c'est marrant. Hein? Voilà, donc le numéro 50. C'est marrant, le 50. Donc, la numéro 50, c'est la carte 50, c'est la carte de la gratitude. Alors, je vais la montrer, cette carte de la gratitude. Là, voilà. Voilà, cette jolie carte. Voilà, gratitude. Merci. Voilà. Alors, j'ai mis un soleil parce que il est important. Alors, il est plus qu'important. Il est essentiel. C'est une clé quotidienne pour justement se sentir vivant, se sentir bien, de penser tout le temps à remercier, à cultiver la gratitude. C'est essentiel. Et souvent en coaching, je dis pour les gens qui se sentent pas bien, ben le soir, avant de vous endormir, il faut trouver au moins 7, je dis bien 7 choses pour dire merci. Alors, on va me dire, oula, mais quand je me sens pas bien, trouver cette chose, c'est compliqué. Pourtant, non. Je vais en dire quelques-unes qui me viennent tout de suite. Merci d'être en bonne santé. Merci d'être en vie. Merci d'avoir un toit sur la tête. Merci de pouvoir manger à ma faim. Merci d'avoir un lit pour dormir. Merci d'avoir des amis autour de moi. Merci d'avoir un véhicule pour me déplacer. Merci d'avoir un chien qui me tient compagnie. Merci d'avoir un jardin autour de ma maison. Merci de voir le ciel bleu tous les jours. Je veux dire, la gratitude, il faut la cultiver au quotidien. Parce que la gratitude, ça va non seulement vous ancrer, mais ça va vous monter dans les vibrations. Hein. C'est un élixir de jouvence, la gratitude. Donc, il faut la pratiquer non seulement au quotidien, mais il faut la pratiquer le soir et le matin. Et bon, le soir, on remercie pour ce qu'on a fait. Et le lendemain matin, on revient dessus en disant, voilà, merci la vie, merci pour d'être ce que je suis, merci de pouvoir grandir, merci d'apprendre et merci aussi d'arriver à comprendre pourquoi je vis parfois des expériences qui sont douloureuses, mais il faut comprendre que toutes ces expériences que nous vivons, notamment les expériences de séparation, c'est fait pour nous grandir, pour nous faire comprendre que justement, la vie, c'est la chose la plus merveilleuse qu'on peut avoir et que cette vie, elle est éternelle, justement. Et c'est à travers ce genre d'épreuve qu'on va finalement pouvoir le transcender et l'intérioriser. Parce que il s'agit pas de le dire, il s'agit de l'intérioriser. Parce que quand on l'intériorise, on sait que c'est vrai. On n'est plus dans la croyance, on sait que c'est vrai parce qu'on l'a intériorisé. Oui, c'est comme quelqu'un qui dit, si je reprends tout à l'heure l'exemple de oui, je crois à la vie, voilà. Merci. Alors, Virginie. Excusez-moi, elle a mis un retour, elle a marqué effectivement, tu connais ce qui s'est passé récemment dans ma vie, des idées noires, pardon, j'en ai pas mal pour le moment. Je vais aussi recommencer les soins Reiki, ça va me faire du bien et ne pas oublier de remercier quoi qu'il arrive. Oui, tout est prévu, merci à toi. Voilà, mais en tout cas, vous voyez que c'est un jeu de cartes qui parle très bien par rapport à, qui, par rapport à tout ce qu'on vit. En ce moment, on vit une période qui est très, très particulière, qui a un côté, je dirais presque un peu surréaliste, mais c'est une période qui est très riche pour pouvoir justement nous élever vibratoirement, pour apprendre à mieux nous connaître et à pouvoir à dépasser nos peurs, en fait, hein, c'est ça. Ce qu'on nous demande, c'est de dépasser nos peurs. Voilà. Alors, je sais que c'est pas facile à dire, mais que
c'est difficile à faire, mais il faut y aller petit à petit, pas à pas, prendre confiance, et puis prendre de la hauteur. Parce que plus on prend de la hauteur par rapport, notamment par rapport à l'émotionnel, ben, plus ça va mieux. Parce que il faut comprendre une chose, c'est que, je finirai là-dessus, mais c'est important pour les gens qui nous écoutent, le véritable amour, l'amour universel, ça c'est important de comprendre, c'est que l'amour universel, c'est quelque chose qui ne coûte rien. L'amour universel, c'est quelque chose qui se donne sans rien en attendre, et ça ne coûte rien. Un animal n'a pas d'ego. Un chien vient vous voir, la seule chose qu'il sait vous donner, c'est de l'amour. Même si vous donnez un coup de pied, il reviendra, il vous donnera de l'amour. C'est ça, l'amour vient. Alors, pour nous, ça s'appelle la bienveillance. Hein. Alors que l'ego, lui, il va chercher de l'affection. Et l'affection, c'est « ah non, toi, non, moi, oui ». Et on va chercher son manque chez l'autre, par projection. Et c'est là où l'affection va devenir de l'infection. Donc, il faut comprendre que, en fait, personne n'appartient à personne. Il n'y a pas de propriété privée là-dedans. Et que, justement, on va grandir en amour. C'est pour ça que je dis souvent cette phrase-là. On grandit en amour parce qu'on apprend, en fait, à aimer véritablement et à connaître vraiment ce qu'est l'amour. Hein, parce que l'affection devient de l'infection, donc l'infection, c'est de la jalousie, c'est ci, c'est là, c'est enfin bon, je vais rentrer là-dedans, hein, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais voilà, il faut comprendre que la différence entre l'affection, l'affect et l'amour, c'est deux choses qui sont complètement différentes. L'amour, c'est quelque chose qui se donne sans rien avoir, point. Voilà. Bon, vaste débat. Mais voilà, je voulais le dire parce que ça, c'est quand même. Voilà, mais c'est quand même une chose qui est quand même très très importante et qu'il faut vraiment prendre en compte. Hein. Voilà, au contraire, parce qu'une fois qu'on est vraiment dans la bienveillance, mais on est heureux pour les autres qui sont dans l'amour eux aussi. Et plus vous donnez de l'amour, plus vous allez. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que plus vous donnez de l'amour, plus vous allez en recevoir. Voilà. Plus vous donnez, plus vous recevrez. Comme disait Balavoine, aimer est plus fort que d'être aimé. Tout à fait. Et c'est quand même vrai. Tout à fait. Aimer est plus fort que d'être aimé. C'est vrai, tout à fait. Petite parenthèse, j'ai eu la chance dans ma vie de rencontrer Daniel Balavoine et de lui serrer la main. Je l'ai vraiment rencontré. Oh là là, génial. Ouais. Je l'ai rencontré en 1985, lors de sa dernière tournée au Palais des Sports de Marseille. Alors, tout simplement, pourquoi? Enfin, c'est parce que quand j'habitais à Paris, j'habitais dans un appartement qui était où il y avait beaucoup de musiciens de studio qui travaillaient à l'époque pour Carrère. Et donc j'avais sympathisé avec l'un de ces musiciens et un jour il est venu me voir, donc c'était dans les années 80, au début des années 80, il me dit j'ai signé un contrat avec Daniel Balavoine. Ah, mais je sais bien. Et donc quand j'ai moi-même déménagé et que je suis parti à Marseille, on avait gardé des contacts et il m'a dit bah, écoute, je joue au Palais des Sports, si tu veux venir je te présenterai donc Daniel Balavoine. Donc c'est comme ça que j'ai rencontrer Daniel Balavoine. Voilà. Voilà, c'est un très très grand. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, pour. Ah là là, indémodable. Lolo NDNG. Alors, Lolo DNG. Donc, elle me donne le 4 et le 21. Alors, le 4. Voilà. Oh, le 4. La souffrance. J'ai peur de souffrir. Donc, celui qui craint de souffrir souffre déjà de ce qu'il craint. Alors, la souffrance, il y a tellement de choses à dire là-dessus. Grand paradoxe. En fait, c'est quand on est mal. Alors, en fait, on est dans une zone de confort dans laquelle on est finalement plus dans l'inconfort que dans le confort. Mais comme on ne veut pas sortir de sa zone de confort par peur de souffrir, eh bien, on reste dans son inconfort. Voilà en gros ce que ça veut dire. Hein? C'est-à-dire que nous avons tendance à souffrir davantage de la simple idée de la souffrance que face à un événement
qui peut nous causer une souffrance réelle. Hein. C'est-à-dire qu'on a peur, en fait. Alors, bon, si je prends la carte, le texte de la carte, de nombreuses personnes ont peur, par exemple, d'aimer ou de tomber amoureuse par peur de souffrir ensuite et se cachent derrière une carapace. Alors, la peur de souffrir... Alors, généralement, la peur de la souffrance, ben, c'est lié à des gens, en fait, qui ont eu une déception amoureuse forte, un divorce par exemple, où ça s'est très très mal passé, qui rencontrent bien sûr une autre personne et qui se disent « mais moi, je veux pas aimer, je veux plus rien faire. Bon, voilà, on se voit comme ça, mais non, je veux pas m'investir parce que j'ai peur de souffrir. Je me suis planté une fois, je veux pas me replanter une deuxième fois. » C'est sûr que si on a cette approche-là, on va y aller direct, tout droit. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on attire à soi ce que l'on vibre, de manière consciente et de manière inconsciente. Encore une fois, on est dans un jeu de rôle et que chaque personne qu'on va rencontrer, que ce soit dans un domaine privé ou dans un domaine professionnel, est là pour nous faire évoluer positivement, nous faire comprendre, voilà, et nous faire en même temps découvrir qui on est. Puisque, n'oubliez pas, nous vivons dans un univers de projection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on projette, on parle d'inconscient, ben on va projeter cet inconscient et l'autre, c'est-à-dire la personne ou l'événement qu'on va voir, est là par loi miroir, et une loi qui s'appelle la loi miroir, qui est là pour vous le montrer, en disant, là, tu vois, ça t'appartient, c'est à toi. C'est pas à moi, c'est à toi. Donc, ce qu'on te demande, c'est de le reconnaître. Donc, il ne s'agit pas d'avoir un jugement positif ou négatif par rapport à ça. Il s'agit simplement de dire « oui, ça m'appartient ». Point. Parce qu'à partir du moment où on accepte qui on a été, eh ben, petit à petit, en face, les choses vont changer. Mais surtout pas résister, parce que si on résiste, parce qu'on voit, il y a une troisième loi qui est aussi importante que la loi miroir, qui dit ce à quoi on résiste persiste. Plus vous allez résister à quelque chose, plus en face vous allez donner de l'énergie, ça va se coincer. Hein. N'oubliez pas que tout vient de l'intérieur. Hein. C'est en changeant l'intérieur que l'extérieur change et non pas l'inverse. Donc ça c'est hyper important. Donc voilà pour la souffrance. Hein. Alors, elle m'a donné après la carte 21. Alors, la carte 21, on va encore tomber dans une... Et ouais, c'est pas bon. Et non, c'est pas ouais, bon. Ouais, c'est pas bon. Ouais, c'est pas bon. Et... Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, la carte 21? Alors... Il faut qu'elle me redonne une... Voilà. Mais bon, elle me donne la guerre. Hein. La carte 21, c'est la guerre. Hein. Bon... Peur, souffrance, la guerre. Alors, attends, elle a corrigé, elle a mis le 42, merci. D'accord. Alors, la 42, voilà. Les pensées. Eh ben oui, les pensées, ça veut dire qu'il faut travailler sur ses pensées. Il faut changer de comportement. Il faut changer ses pensées. En changeant ses pensées, on va se changer. Et à partir du moment où on va se changer, en face, ça va, on changera. C'est ça qu'il faut comprendre. Oui, elle a tiré la carte qui est complémentaire. C'est ça. En travaillant sur soi-même, en changeant ses pensées, on va changer ses comportements. Et en changeant de comportement, la personne qui sera en face changera. Ou la peur de souffrir, ben, va se dissoudre. C'est ça qui est important de comprendre. Hein. Alors, comme dit la carte, on va quand même y aller, à cette carte 42. Donc, les pensées. Voilà. Quelles pensées résonnent en moi? Il y a deux façons de regarder la vie. La première est de penser que les miracles n'existent pas et que tout ce qui se trouve autour de vous n'est qu'une chaîne de coïncidences. L'autre est de voir des miracles tout autour de vous et de savoir que chaque situation, chaque pensée, émotion, réaction signifie quelque chose de spécial. Chacune des deux voies implique des résultats différents, donc une vie différente. Donc, voilà. Donc, il est important de comprendre
et d'accepter qu'il dépend que de vous, de choisir selon laquelle ces deux visions vous envisagez de vivre votre vie. Donc, qu'est-ce qu'une attitude positive? Donc, l'attitude positive, c'est vivre votre vie en observant que tout ce qui vous entoure est porteur d'un message spécial. Il est aidé pour vous aider à vous développer. Ce que je disais tout à l'heure, l'autre par voix miroir est là pour, en fait, vous dire, ben, voilà, ça t'appartient, mais regarde-le de manière positive et non pas de manière négative. Hein. Voilà. Donc, l'attitude positive se manifeste de la manière suivante. La pensée positive, la réflexion constructive avec le discernement, la pensée créative, l'optimisme, la motivation et l'énergie pour faire les choses. Voilà. Donc, quand on est dans un état d'esprit positif, on va recevoir plus de succès que d'échecs, on va se sentir plus créatif, plus inspiré, on va avoir la force de surmonter les obstacles, on va considérer l'échec et les problèmes comme des bénédictions déguisées, on va croire en soi, en ses capacités, on va montrer plus d'estime de soi et de confiance, on va chercher des solutions au lieu de s'attarder sur les problèmes, etc., etc. Donc, par rapport à la souffrance, ça répond donc absolument complètement. C'est-à-dire que au lieu d'avoir une attitude négative, on va avoir en fait une attitude positive. Et en étant positive, on va finir par avancer. Voilà. D'ailleurs, elle me met là, c'est un petit clin d'œil de numérologie. C'est pas Najat, mais regarde, tu vois le 4 et le 42. Le 4, oui, c'est le travail. Donc, ça veut dire que le 4, j'ai un travail à faire sur moi-même. Et le 42, 4 plus 2 va me donner le chiffre 6. Le chiffre 6, c'est l'harmonie, c'est la joie, c'est le soleil. Donc, si je travaille 2 sur la moitié, c'est-à-dire sur ce que j'ai en face, eh bien, et que je l'accepte, je vais enfin être un soleil qui rayonne et être dans l'harmonie et dans l'instant présent. Voilà. C'est QFD. C'est super. C'est vraiment génial. Merci beaucoup, Jean-Frédéric. Merci avec beaucoup, plaisir. Lolo. Et voilà, je vois pas de retour pour l'instant. Donc, du coup, on va passer à la personne suivante, qui est Maggie Sachen, qui te donne les chiffres plutôt 16 et 52. Le 16 n'était pas sorti encore. Hein. Ah, alors, le 16, c'est les transports. Une carte qu'on ne voit pas souvent. Donc, c'est quelqu'un qui... Voilà, donc c'est quelqu'un qui a le mal des transports. Alors, transport, c'est au sens large du terme. Hein. Ça peut être le bateau, peur de l'eau, peur de la mer, peur de traverser les continents. Ça peut être la peur de l'avion. Alors, l'avion, c'est compliqué parce que l'avion, on est enfermé. On est très haut. On a des dépressions d'air, hein, des trous d'air. Donc, on est en relative insécurité. Puis ça peut être aussi le mal. Alors c'est vrai que bon là, je suis pas figuré de voiture, mais ça peut être aussi le mal de voiture, hein, parce que bon. Alors ça peut être lié à un trauma. Ça peut être lié tout simplement à un accident qu'on a eu, ou dans son entourage, ou ça peut être tout simplement qu'on a eu, on a dans l'inconscient une blessure, ou en tout cas un événement qui est lié justement à un accident qui a pu être d'ailleurs un accident létal. Hein. Par exemple, on a pu mourir noyé dans une vie antérieure, on a pu mourir on a pu mourir dans un avion, on a pu mourir dans un accident de voiture, etc., etc. Donc on va forcément dans cette vie avoir, chaque fois qu'on va monter dans une voiture, dans un avion ou dans un bateau ou être sur un bateau, avoir donc un profond sentiment de malaise qui est lié à une insécurité, quoi, tout simplement, hein, parce que c'est lié à des mémoires. Hein. Alors ça, bon, alors si je prends donc la carte numéro 16,
voilà, porte de l'avion du bateau. Donc, là, il y a des techniques physiques pour apprendre. Donc, c'est réagir, réguler sa respiration, relaxer ses muscles, se remémorer des souvenirs agréables, etc., etc. Après, bon, si c'est beaucoup plus profond, on peut faire une régression pour savoir effectivement d'où vient cette mémoire. Donc, les phrases de méditation, si tout va bien, le personnel de bord est très compétent, je suis en sécurité, je l'intègre avec joie. Et pour les exercices floraux, donc, c'est le figuier ou du tremble qui donne confiance à l'inconnu. Alors, elle me donne donc comme une carte. Tremble. Ouais, tremble. Ouais, tremble. Ou si je le dis en anglais, c'est tremble. Tremble. Alors, je sais pas, bon, c'est un nom que je connais pas, mais. Bon. Alors, donc elle me donne la carte 52. Ben, la carte 52, c'est osé, hein. Si c'est, je sais par cœur, là, c'est osé. Ben, là encore, c'est pareil, hein. C'est oser prendre l'avion. Oser. Quand on a un accident, moi, j'ai eu un accident de, alors si je vais prendre mon cas personnel, moi, j'ai eu un accident de moto, où j'ai failli mourir, puisque j'ai fait une NDE avec une photo prémonitoire prise 3 semaines avant. Donc j'ai mis un pied de l'autre côté. Hein, donc je sais que de l'autre côté, c'est pas fini. Bon, voilà. Mais quand même, la moto était vraiment inutilisable. Et il est évident que quand je suis revenu à moi, j'avais quand même une. J'ai dit bon, qu'est-ce que je fais? Soit je fais plus de moto, soit je refais de la moto. Et ben, je suis remonté sur une moto. Je suis remonté sur une moto, bon, en étant quand même plus prudent, mais voilà. Et bon, ça m'arrive. Bon, j'ai eu dans ma vie, bon, je fais pas de la moto tout le temps, mais j'ai des périodes dans ma vie où je fais de la moto parce que je ressens le plaisir d'en faire. C'est un engin de déplacement qui est très très grisant, très agréable. Hein, ça ressemble beaucoup à l'avion parce qu'on fait vraiment corps avec la machine. C'est quand on aime la vitesse. Voilà. Mais bon, ben voilà, j'ai dit non, je vais reprendre goût à la moto et voilà, tout en restant prudent, bien sûr. Mais bon. De toute façon, dites-vous que quand vous incarnez, tout est prévu du début jusqu'à la fin. Donc, on vit ce qu'on doit vivre. Hein. Donc, voilà. Maintenant, ceci dit, bon, il faut quand même avoir du discernement et ne pas aller, comme on dit, tenter le diable. Mais bon, on fait ce que l'on ressent, voilà. Et puis. Mais il faut toujours quand même apprendre à se dépasser. Si on a une peur, effectivement, qui est due notamment à un trauma, il faut la dépasser. Il faut la dépasser parce que sinon, cette peur sera toujours présente et ça empêchera les gens, ça nous empêche d'avancer. Donc, il faut vraiment avancer. Voilà ce que je peux dire pour Maggie Sachen. Maggie Sachen, oui, c'est ça. Je regarde s'il y a un retour. Pour l'instant, il n'y a pas de retour. Pas de retour de Lolo non plus. Donc, on va pouvoir continuer. Merci beaucoup, Maggie. Et merci à toi, bien sûr, Jean-Frédéric. Alors, je remonte le fil des questions. Hop. Alors, je suis un petit peu embêtée parce qu'il me manque. alors, il y a Céline Cherpin. Je suis désolée parce qu'il y a des questions qui ont sauté. Céline Cherpin qui nous dit le 3, s'il vous plaît, et le 32. Un deuxième. Bien. Le 3 et le 32. Voilà. Alors. Là, voilà, la 3. Tac. La 3, c'est lié à la compétence. Donc, c'est la peur de ne pas être compétent. Donc, c'est-à-dire, c'est la peur
C'est la peur du rejet, ça, en fait, hein. C'est-à-dire que si je suis pas compétent, ben, c'est que on me rejette. Donc, je fuis. Donc, en fait, je fuis. Alors, je vais chercher donc la 1, la 2 et la 3. Voilà. Voilà. Voilà, c'est la peur de ne pas être parfait. Alors, peur d'incompétence ou le syndrome de l'imposteur, peur de ne pas être parfait. Hein, alors, quand on est, on aime la perfection, on tend vers la perfection, donc on a ce qu'on appelle de la procrastination, c'est-à-dire qu'on est là, on se lance jamais en fait. Hein, on est là, on piétine, on recommence, mais on se lance pas. Donc, ça s'appelle la procrastination. Voilà. Donc, elle se survit, en fait, chez celui qui ne se sent pas à la hauteur en termes d'importance ou de statut. Celui qui, par exemple, n'a pas le niveau, alors c'est un exemple, hein, n'a pas le niveau universitaire ou le diplôme ou les titres nécessaires pour être officiellement reconnu comme spécialiste d'un domaine ou d'un sujet en particulier. Alors, il y a aussi derrière la notion de non-reconnaissance. Je suis incompétent, donc je ne suis pas reconnu. J'ai un besoin de reconnaissance qui n'est pas satisfait. Donc, on ne me reconnaît pas. Voilà. Alors, ça peut être lié aussi bien à la fonction, c'est-à-dire par rapport à son travail, que dans sa vie tout court. On peut dire, non, mais là, je ne suis pas reconnu. J'existe pas, je suis pas reconnu. Je suis incompétent. Voilà. Alors, ça peut se transformer par des crises d'angoisse, de la dépression, etc., etc. Voilà. Voilà. Donc, il faut d'abord être doux avec soi-même et se dire que on a le droit d'être incompétent, on a le droit justement de pas être parfait et qu'on peut être parfait en étant imparfait, parce que tout est parfait dans l'univers. Hein, voilà. Et que c'est le regard qu'on va porter d'abord à soi-même qui est important. Donc c'est s'aimer soi-même, commencer par s'aimer soi-même, hein, avoir du discernement, prendre de la hauteur, prendre de la confiance en soi, univers infini, j'ai confiance en moi, hein, et surtout de vous autoriser, parce que quelque part il y a le sentiment de non-autorisation. Autorisez-vous à être incompétent. Hein, voilà. Et pardonnez-vous. C'est important, le pardon. Hein, j'ai écrit un livre là-dessus, hein, le pardon. C'est très, très important. Parce que sans doute, vous avez en vous des blessures inconscientes qui remontent à on ne sait pas quoi, mais qui sont là et qui continuent à se projeter. Parce que, justement, vous ne lâchez pas prise par rapport à ça. Lâchez prise, acceptez, vous verrez qu'en acceptant, ça ira déjà beaucoup mieux. Alors, elle me donne comme la 32. Alors, la 32, oui, c'était en deuxième. C'est ça, oui, ouais, 32. C'est ça. 32, mais je vais la montrer à l'écran. Voilà, ben, ça répond bien. Hein. Ça répond bien, je vais lui montrer. Je vais lui montrer la carte, voilà. C'est donner un sens à sa vie. Alors effectivement, quand on est incompétent, ben on ne donne pas de sens à sa vie, puisqu'on est là, on n'existe pas. Donc c'est commencer par donner un sens à sa vie. Hein, hein, redonner un sens à sa vie en donnant une place importante à la joie dans son quotidien, de vivre l'instant présent. Hein, si ce que vous faites ne vous plaît pas parce que c'est par exemple un travail alimentaire, etc., changez-le. Même si c'est pas très facile. Hein, changez-le. Voilà, comment pourrais-je expérimenter la joie aujourd'hui? Voilà. Voilà. Et là aussi, soyez beaucoup plus dans votre instant présent. C'est important d'être dans son instant présent. C'est-à-dire d'être dans ce qu'on fait tous les jours, même si c'est des opérations qui vous semblent anodines. Par exemple, quand je fais moi, j'ai pas de la vaisselle, donc je fais la vaisselle chez moi. Et j'aime beaucoup faire la vaisselle. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que, d'abord, l'eau chaude, c'est agréable.
Puis en plus, j'aime bien transformer ce qui est sale, entre guillemets, pour le rendre propre. C'est une opération que j'aime bien et je vis vraiment mon instant présent joyeusement quand je fais la vaisselle. Et même si ça peut durer une demi-heure, ça ne me gêne absolument pas. Pour moi, ce n'est pas une corvée la vaisselle. Au contraire, j'en ai fait quelque chose de très agréable. Et c'est une opération qui est quotidienne. Donc, voilà. Oui. Et ça vous permet, en plus, d'être dans votre, ça vous permet d'être dans votre instant présent. Je dis ça parce que c'est important. Toutes les petites opérations quotidiennes que vous faites, hein, qui sont des tâches ménagères, comme de faire les courses, comme balayer. J'aime beaucoup balayer. J'ai la chance d'avoir un grand balcon. Bon, j'ai un cèdre magnifique à côté de chez moi, mais bon, un cèdre, ça, il y a des aiguilles qui tombent régulièrement, surtout quand il y a du vent. Donc, je balaye le balcon. Alors, c'est vrai que le balcon, il faut le balayer très souvent. Quand il fait du vent, il faut que je le balaye deux, trois fois par jour. Mais ça fait rien, je prends un balai comme ça. J'ai un balai, je balaye mon balcon et je suis très content. Voilà, parce que ça me permet de, pendant que je balaye, je regarde l'arbre, je discute avec lui. Il y a plein d'animaux, il y a des écureuils, il y a plein de belles choses à regarder. Donc, voilà. Donc, je transforme en fait quelque chose de quotidien en quelque chose de très agréable. Et aussi, bon, j'ai la chance que mon évier, j'ai une fenêtre juste. Donc, là aussi, ça donne dans le, bon, j'ai la chance d'avoir un parc. Et là aussi, c'est pareil, je vois les oiseaux. Tout à l'heure, il y avait un merle qui se promenait, c'était magnifique. Donc, voilà. Donc, je transforme en fait toutes les tâches ménagères en quelque chose de très agréable. Voilà. Donc, je vous donne ces petits trucs parce que ça fait partie de l'instant présent et c'est comme ça qu'on est dans l'instant présent. Hein? Alors, né dans les deux sens du terme, EST et NAIT, NAIS, qu'on est, c'est-à-dire qu'on devient et qu'on ressent cet instant présent. Ça qui est super important. Parce que quand on est dans l'instant présent, on est aligné, ça c'est important ça. On fait de la méditation active, on est aligné par rapport à qui l'on est. C'est ça qu'il faut comprendre. On n'est plus perdu dans ses pensées. On est là, on est présent. Instant présent, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Dans l'instant, on est présent, on est là. On vit l'instant présent. On n'est pas perdu dans des pensées en disant qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que j'ai oublié, que si ça mise, on est là. C'est ça. Et on ressent les choses. Voilà. Voilà. Oh, c'est super, merci beaucoup. Je ne sais plus qui c'est qui avait posé la question parce que j'ai les questions qui sautent au fur et à mesure, en fait, Jean-Frédéric. Mais il paraît Alors, que tout est parfait, donc on prend comme ça vient. bon, ben oui, tout est Hein parfait. Oui, donc je vais prendre les questions comme elles viennent. Il y a Béa quand même qui m'a. Je l'avais vu passer tout à l'heure, effectivement, sa question a disparu. Elle le redonne le 21 et le 52. Merci. Alors, 21-52. Ah, le 21. Alors, le 21. Mais il me semble que c'est la peur de la guerre, le 21, de mémoire. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Peur de la guerre. Ah, peur de la guerre. Ben, on y est là, actuellement, hein, dans une guerre. Hein, il y a un certain monsieur Macron qui a dit que nous étions en guerre. Président de son État. Voilà. Et on est dans la guerre. Alors, qu'est-ce qu'il faut voir derrière? C'est que, ben, là aussi, c'est pareil. Il faut prendre de la hauteur par rapport à ça, c'est-à-dire se poser la question de se dire, est-ce que je pense par moi-même? Ou si les autres, ou si c'est les autres qui pensent pour moi. C'est-à-dire où je vais effectivement être dans cette espèce de psychose qui me paralyse complètement,
Alors là, je parle de manière générale, hein. C'est-à-dire en disant voilà, je sors pas de chez moi parce que je prends un obus ou il y a un virus qui va me tomber mortellement, qui va tomber mortellement sur moi, et je vais me protéger avec un scaphandre, une arme, un blindage, voilà. Ou si simplement je dis ben voilà, je fais confiance à la vie, je suis la vie, et que je suis serein par rapport à ça. Donc c'est ça en fait qu'il faut se dire. Disant moi finalement, bah oui, mais bon, que puis-je faire? De toute façon, n'oubliez pas une chose, c'est que, encore une fois, vous êtes incarné pour le vivre. Donc si on s'incarne pour le vivre, c'est que ce qu'on vit là en ce moment, bah, c'est pour nous faire travailler sur nous-mêmes. Hein? Donc il faut élever le débat et se dire ben voilà, alors peur de la guerre, ben oui, alors la peur de la guerre, ça peut engendrer aussi la peur du manque. Hein? Il y a des gens qui se sont précipités dans les magasins, qui ont dévisé les magasins, la peur du manque, peur de la guerre, peur du manque. Bon, etc. etc. Donc c'est la peur de l'insécurité, etc. etc. Alors que si vous faites confiance à vous-même et si vous faites confiance à l'univers vous mettra toujours là où vous devez être. C'est ça qui est important de comprendre. Et qu'à partir du moment où vous êtes là et que vous êtes serein, ben, vous verrez que vous allez le vivre complètement différemment. Alors, elle me donne la carte 52, encore une fois. La carte 52, c'est savoir, ouais. C'est oser. Ben oui, faut oser être vous-même, c'est-à-dire oser penser par soi-même et non pas penser par les autres. Ce que vous... C'est bon, ça c'est une, c'est deux cartes qui nous amènent très très loin, ça. D'ailleurs, c'est être ou cerveau droit ou cerveau gauche. Quand on est cerveau gauche, bah on est toujours voilà. Il y a quelqu'un qui dit ça, je crois que c'est vrai. Donc comme on est dans une projection, parce que c'est ça qu'il faut comprendre, hein, comme mécanisme. On me dit ça, je reçois cette information là, je crois que c'est vrai. Donc, si vous croyez qu'elle est vraie, bah, effectivement, on est dans un, comme on est dans un univers de projection, vous allez le réaliser. Effectivement, oui, c'est vrai. Si vous dites tous les chats sont noirs, bah, vous verrez que vous allez rencontrer que des chats noirs. Bien oui, c'est vrai. Et en plus, la croyance va se renforcer. Alors que si vous dites, au contraire, si vous êtes cerveau droit en disant, tiens, pourquoi il m'envoie cette information-là, vous savez que, il y a un anagramme souvent que je fais avec les mots pensée, P-E-N-S-E. Pensée. Est-ce que l'information qu'on me donne, elle est positive pour moi? E, est-ce qu'elle est exacte? C'est-à-dire que, est-ce que vraiment ce qu'on me dit là, ce que j'entends, c'est vrai? N, est-ce qu'elle est nécessaire? Est-ce que c'est vraiment nécessaire, là, maintenant, à l'instant T, que je reçois cette information? S, est-ce que c'est quelque chose qui est sage? Est-ce que c'est une information qui est sage? Et enfin, le dernier E, est-ce que c'est une information enrichissante? Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'enrichissant? Ben, si ça répond non, c'est que c'est pas pour vous. Voilà. Tout simplement. Et que vous allez voir que si vous pratiquez ce simple exercice, ben, vous allez voir que vous allez arriver à penser de manière complètement différente. Et que, vous verrez que la bonne information pour vous, vous la recevrez. C'est ça qu'il faut comprendre. Apprendre à penser par soi-même. Donc, pour apprendre à penser par soi-même, ben, il faut oser, effectivement, là encore, hein, oser, soyez vous-même, soyez serein, parce que si vous êtes serein et que vous êtes vous-même, rien ne vous arrive. Quand je dis vous-même, c'est votre essence, alignée par rapport à qui vous êtes. N'oubliez pas, si vous êtes dans l'ego, mode survie.
si vous êtes vous-même, vous êtes dans votre dans votre essence, donc vous êtes en mode vie, tout simplement. Là encore, hein, donc savoir trier les pensées, etc., etc. Hein, comprendre. Alors, je sais que on vit à travers l'ego, on peut pas l'enlever, mais on peut le dissoudre. Hein. C'est comme un morceau de sucre que vous mettez dans une bouteille d'eau. Si vous mettez l'ego si l'ego c'est le morceau de sucre, l'eau c'est votre essence, vous le diluez dans l'eau, dans la bouteille d'eau. Et là, il sera en mode actif et pas en mode réactif. Comprenez? C'est ça qu'il faut faire. Voilà, voilà. Voilà, Béa, Béa. Super. Béa, Béa. Alors, j'ai peur d'aller voir les commentaires en ayant... Ah bon? Et que les questions disparaissent au fur et à mesure. Donc, je te mets la prochaine qui est Aurore Collin, qu'on connaît aussi. Aurore Collin, coucou Aurore. Et je vais voir... alors, il y a Céline Charpin de tout à l'heure. Encore un peu de boulot, le 8 et le 40. Alors, je le mets Aurore Collin. Alors, il y a un petit... Vas-y, vas-y. Il y a un petit retour de Céline Charpin qu'on a eu tout à l'heure et qui disait « Waouh, tout ce que vous avez dit correspond exactement à mon caractère et ma vie. J'ai besoin de me trouver experte pour me lancer dans un projet. » Et elle rajoute « Je suis beaucoup dans le futur. Je sais que je dois être dans l'instant présent, mais dur, dur. Merci beaucoup. » Bon, voilà. Très bien. Alors, pour Aurore Collin, qui a un si joli prénom, Aurore, qui me sort la carte 8, ne pas déranger. Ne pas déranger. Alors, la carte ne pas déranger, c'est une blessure inconsciente, ça, qui dit... je veux pas déranger, je suis pas là, je n'existe pas. Je n'existe pas, donc je veux pas déranger. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, elle a pas beau, c'est avoir si peu d'estime de soi-même. Hein, c'est-à-dire que c'est lié à la blessure d'abandon, ça. Hein, donc il y a un rejet de soi-même. Donc je veux pas déranger. Hein. Voilà, c'est avoir peur de déranger, c'est comme ne pas se donner le droit d'exister, avec le risque encore plus grand de se laisser marcher sur les pieds. Alors derrière cette peur se cache bien trop de faiblesses similaires, de prendre toujours trop de place dans la vie des gens. Moins je suis là, mieux c'est. Au moins je ne gêne pas et surtout je ne veux pas être redevable. Ne laissez personne vous faire penser que vous êtes moins bien que d'autres. C'est le meilleur moyen de vous détruire encore un peu plus si vous n'avez pas assez confiance en vous. Donc, demandez de l'aide avant qu'il soit trop tard, au point de vous noyer quand vous sentez que vous êtes capable de toucher le fond. Et oui, il y a un moment donné où il faut réagir à tout ça. Donc, comment on la surmonte? En étant ce que l'on est, en s'acceptant tel que l'on est, dans le respect d'autrui. C'est aller chercher par soi-même les réponses que l'on a en soi, prendre confiance en soi, trouver son chemin, oser avancer en se fixant des objectifs que l'on sait atteignables, procéder par étapes pour gagner en autonomie et en confiance. Voilà. Alors, ça veut dire que quand on se... Alors, ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Quand on se fixe un but, les gens tout de suite voient le but. Or, le but, il n'est pas sous votre contrôle, puisque le but, il n'est pas atteignable. Par contre, ce qui est atteignable, c'est les étapes que vous allez construire pour pouvoir arriver à ce but. Donc, il faut que l'énergie que vous allez mettre en place, c'est la première marche.
Et puis, une fois que vous aurez atteint la première marche, ce sera ensuite la deuxième marche. Et une fois que vous aurez validé la deuxième marche, ce sera ensuite la troisième marche, etc., etc. Et là, ça va fonctionner parce que vous pourrez un jour, comme ça, atteindre votre but. Parce que si vous regardez le but, lui, il n'est pas... Donc, si vous mettez de l'énergie directement là-bas, il y a 9 chances sur 10 pour que ça fonctionne pas. Donc, là encore, on a parlé beaucoup d'instant présent, mais là encore, soyez dans votre instant présent. Parce que le but, c'est le futur. Donc, c'est une projection. Donc, n'allez pas vous projeter très loin, parce que ça sert à rien. C'est le mental hein, qui se projette très loin. Hein. Mais non, faut pas se projeter. Alors, bien entendu, si vous avez, quand on dit j'ai l'intention de faire quelque chose, oui, j'ai l'intention de prendre mes vacances dans 6 mois, oui, mais vous y êtes pas. Donc, ok, je prendrai, mais pour l'instant, je suis là et je fais ce que je suis devoir faire dans mon instant présent. Donc, phrase de méditation, j'ai confiance en moi, j'existe, je suis légitime dans mon rôle, je suis autonome. Alors, élixir floraux, bouton d'or, aide à reconnaître ses valeurs positives. Alors, ensuite, elle m'a mis donc le 40. Alors, que me dit la carte 40? On n'a pas encore vu celle-là. Eh oui. Mais ça répond bien, hein? Les besoins insatisfaits. Ah. Eh oui, ça veut dire que tout à l'heure, elle me disait, la 8, c'était la peur de déranger les autres. Bah oui, forcément. Mais j'ai mes besoins insatisfaits, donc je suis pas satisfaite, mais je vais pas lui en parler parce que si je lui en parle, je vais pas avoir de refus. Donc comme je veux pas avoir de refus, j'en parle pas. Voilà, les besoins insatisfaits. Donc, il faut lister ses besoins insatisfaits. Hein? Alors, Donc, vos émotions sont liées à vos besoins et certains sentiments vous préviennent que vous n'êtes plus lié à vos besoins. Vous retournez alors dans le jeu du qui a tort, qui a raison. Vous devez reconnaître vos besoins non satisfaits pour communiquer avec les autres et pas contre les autres. Quels sentiments vous disent que vous n'êtes plus connecté à vos besoins? Donc, quand vous exercez un jugement sur quelqu'un d'autre, la colère, quand vous exercez un jugement contre vous-même, la dépression, la culpabilité ou la honte. Ces sentiments doivent être pris comme des signaux d'alarme du mental qui mènent la danse, le jugement au lieu de respecter les besoins de chacun. Voilà. Donc, pour communiquer avec les autres, vous devez attirer l'attention sur vos besoins de la manière suivante. Décrire une situation qui vous affecte en observant sans juger. Voilà. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on rencontre très souvent. Donc, de gens qui n'osent pas dire qu'ils ne sont pas bien. C'est-à-dire que ils sont dans un rapport un peu, entre guillemets, hein, dominant-dominé. Et donc, quand on est dominé, bon, on va pas dire au dominant, non, mais moi j'ai des besoins qui sont pas satisfaits, donc je ne suis pas à t'en parler parce que tu vas pas pouvoir les écouter. Donc, il n'y a pas de dominant ou dominé, hein. Il y a deux rapports la communication, c'est ça. C'est-à-dire que quand on doit communiquer, il ne s'agit pas de communiquer avec violence ou avec force, il s'agit de communiquer avec justesse. Et que quand on n'est pas bien, on dit à quelqu'un, non, je ne suis pas bien. Ou non, cette situation ne me convient pas, ou ne me convient plus, pour telle raison. On dit les choses. Et à partir du moment où les choses sont dites, eh bien, à ce moment-là, soit il y a une discussion qui s'engage, soit il y a un délai qui fait que chacun va réfléchir de son côté, pour ensuite prendre une décision commune par rapport à ça. Mais c'est important de dire les choses. Si on ne les dit pas, on est dans le doute. Donc, on est dans le non-dit. Et quand on est dans le non-dit, on est dans le déni. Alors, les choses qui sont dans le déni, ça peut aller très loin.
Donc, il faut absolument, Aurore, donc, parler de ces besoins insatisfaits. C'est important. C'est important pour elle. Pour elle. Puisque l'autre, en fait, est son miroir. Hein. Donc, en fait, quelque part, inconsciemment, puisqu'elle ne veut pas déranger les autres, elle ne se respecte pas. Donc, ce qu'on lui demande, en fait, c'est que ce que son âme lui demande, c'est de se respecter, d'apprendre à se respecter elle-même, donc à s'aimer, à prendre soin d'elle. Parce que pour prendre soin des autres, il faut quand même commencer par s'aimer soi-même. Si on s'aime pas, si on prend pas soin de soi-même, on peut pas être capable de pouvoir s'occuper des autres. C'est pas possible. Donc voilà. Alors ça se traite par les élixirs floraux, mélèzes, assurance, réaffirmation, l'expression de soi. Voilà. Bon, après, on peut aller plus loin, hein, bien sûr. Hein, bon, si j'avais sa date de naissance, ça devrait ressortir quelque part, mais bon. Donc, voilà pour notre amie Aurore. Un joli prénom, l'Aurore. C'est le début. Mm-mm. Oui. Merci beaucoup, Aurore. Merci à toi, Jean-Frédéric. Ah là là. Mais bon, oui. Ouais. Comme tout est parfait, bon, je vais arrêter d'aller en bas pour tout mélanger là. Je vais prendre comme ça vient, hein, comme tout est parfait. S'il y a des questions qui sautent, ben, je m'en excuse. Mais voilà, on va prendre comme ça vient. Et voilà, s'il y a des gens qui veulent poser des questions. Il n'y a pas de souci. Je sais qu'il y avait une question tout à l'heure. Par rapport à ton jeu, mais je ne sais plus ce que c'était. Attends. Je te donne les numéros et je vais essayer de retrouver la question. Alors, qui était Papillon sur Love jeu. Me donne le 25 et le 43. D'accord. Voilà. Et je vais essayer de trouver la question. Ah, Papillon Love. Qui me sort la carte de la solitude. C'est joli, hein, comme surnom. Ouais. Papillon Love, la solitude, j'ai peur de me retrouver seul. Je suis seul et je veux trouver quelqu'un. Et oui, la solitude, je ne peux pas rester seul. La solitude me fait peur. Pourtant, c'est dans la solitude qu'on se grandit. C'est dans la solitude. La solitude, ce sont des périodes qui permettent justement de pouvoir se connaître vraiment. Se connaître vraiment. Et quand on est seul, on peut commencer à prendre soin de soi. On peut poser les choses. On peut apprendre à regarder les choses. On peut. C'est des périodes où on peut changer de comportement. On peut apprendre à prendre de la profondeur, à travailler sur soi. On peut aussi travailler pour les autres quand on est seul. Moi, j'ai des grandes périodes où je me retrouve seul. Mais j'ai fait de cette. En plus, c'est dans ma numérologie, puisque en tarot, là, j'ai le chiffre 4. Le 4, c'est l'ermite. Donc l'ermite, il est par définition, l'ermite, il est seul, donc il est là, il se promène. Il est en chemin, il se promène. Et je me suis promené puisque j'ai déjà déménagé 30 fois dans ma vie. Alors, voilà. Donc je connais. Mais j'ai fait de cette errance, qui n'en est pas une en fait, quelque chose de très enrichissant parce que ça m'a permis de découvrir plein de choses. Et que bah, cette connaissance, justement, c'est en cheminant, il faut prendre ça comme ça, c'est en cheminant qu'on apprend. On apprend sur soi, on apprend sur les autres, mais on apprend surtout beaucoup sur soi. Donc c'est vrai que les périodes de solitude, c'est les périodes qui sont nécessaires pour pouvoir se ressourcer soi-même. Voilà. Et alors quand c'est la solitude par rapport à l'autre, dites-vous que quand vous êtes prête, quand on est prêt, complètement, je dis bien complètement, la personne qui va vous compléter va venir.
C'est important, ça. Parce que les gens pensent toujours, si, je suis prête. Je suis prêt. Je veux absolument rencontrer quelqu'un. Je ne me supporte plus, etc. Mais ça, c'est l'ego qui dit ça. Encore une fois. Quand on est prêt, vraiment, qu'on est entier, qu'on est prêt, eh bien, à ce moment-là, l'univers va vous envoyer à vous ce qui va vraiment vous compléter. Voilà. Il faut prendre le relationnel, en fait, entre deux personnes. Il faut comprendre une chose aussi. J'en parle souvent de ça parce que c'est quelque chose que j'ai vécu, mais je parlais d'amour tout à l'heure et d'affection. Il faut vous dire aussi une chose, c'est que le fait d'être deux, le fait d'un jour de vivre une union avec quelqu'un, c'est-à-dire de vous compléter, ce que j'appelle votre complétude, et pas votre âme sœur, hein, ça n'a rien à voir, votre complétude, c'est quelque chose, ce qui compte, c'est pas la durée, c'est l'intensité. C'est ce que la personne va venir vous compléter, en fait. Parce que quand vous êtes complète, vous êtes vraiment qui vous êtes, dans votre totalité, dans votre beauté d'être. Et là, vous êtes vraiment, on peut dire ça comme ça, hein, vous êtes vraiment au nirvana. Vous êtes vraiment transformé, etc. Mais parce que vous êtes vous-même, vous êtes complètement vous-même. La personne qui est en face, vraiment, est votre miroir absolument parfait. C'est la complétude. C'est-à-dire que je commence une phrase et la personne va finir la phrase. Je vais dire quelque chose, elle va penser à ma place. Je pense, par exemple, de proposer de partir en vacances quelque part. Et là, elle me précède, me dit, ah ben justement, je voulais te proposer de partir une semaine au Baléares, par exemple. Elle me dit n'importe quoi, mais c'est ça la complétude. C'est ça. C'est vraiment l'osmose parfaite. C'est pas l'âme sœur. Une âme sœur, c'est quelqu'un qui est comme vous. Alors, comme il est fait comme vous, il y a forcément des points communs. Mais il y a plus de 10 fractions que de points communs. C'est la même pièce. Si j'avais la dessinée, c'est la même pièce. Ah oui, c'est votre âme sœur. Mais c'est votre âme sœur. Sœur. J'insiste sur le mot sœur. C'est X, X prime. Ah oui, d'accord. Ah oui, des points communs. Hein. Oui, bien sûr. Mais c'est pas ce qui va vous compléter. Comprenez-le bien, ça. Hein. C'est vraiment, voilà. Donc, comme je le disais, l'amour, c'est pas une question de durée, c'est une question d'intensité. Hein. Voilà. Donc, il faut vous dire une chose. Jean-François. Oui. Jean-Frédéric, pardon. Il donne des petites informations plus loin. Il dit, oh non, j'aime la solitude. J'adore la solitude. Je me ressource quand je suis seule. J'embrasse les arbres. Je fais du sport. Bon, très bien, très bien, très bien. Bon, en tout cas. Il dit. Il dit. Je me dis plutôt que je dois aller seule vers ma nouvelle profession avec des partenaires. Il dit qu'il est marié et que c'est pas au niveau du couple, c'est plus au niveau pro qu'il pense. D'accord, mais je sais pas, il faudrait. Si j'avais sa date de naissance, ça me parlerait mieux. Mais en tout cas, bon, il y a quand même la thématique de la solitude qui ressort dans son inconscient, puisqu'il m'a sorti cette carte-là. Alors, après. Donc, qu'est-ce qu'il m'a donné? Je vois ce que vous voulez dire. C'est dans ma future profession, il rajoute. Voilà. Alors après, donc, il m'a donné la carte 42, hein, c'est ça, je crois. 43. 43, revenir à soi, si c'était ça. Voilà. L'étais sorti pour pas le... Voilà, 43, revenir à soi. Mais c'est ça, ça parle bien. Hein. Voilà. Donc, la clé, c'est ça, c'est être soi-même. Donc effectivement, donc je sais pas ce qu'il fait comme métier, mais si c'est un monsieur qui est un, ben effectivement il faut qu'il soit un. Donc il faut qu'il revienne à lui. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que parfait. 15-01-73, c'est parfait. Il répond, c'est parfait. Voilà, 15-01-73, c'est parfait puisque son âme il est un.
Alors, je vais faire son chemin de vie, mais ça parle bien. Je comprends pourquoi il m'a sorti le 1 deux fois. Il m'a sorti la solitude. C'est le 1. Alors, 15-01-73. Alors, je vais faire 1 plus 9 plus 7 plus 3. 1 plus 9 plus 7 plus 3. Ça me sort le 2. OK. Donc, plus 1. Plus 15. Oui, alors, c'est complètement... c'est parfait. Alors, il est chemin de vie 9. Donc, il est dans un chemin d'ascension 9. Les 9, je suis 9, moi. Hein, je suis triple 9. Hein, donc, je sais. Donc, dans le 9, il y a la carte du 9, c'est l'ermite. Donc, c'est le 4. Donc c'est la solitude, c'est celui qui est sur le chemin et c'est celui qui va justement travailler seul. Bon, moi j'ai exercé plusieurs professions, mais là dans celle que j'exerce aujourd'hui, je suis seul et je suis entouré de beaucoup de monde parce qu'il y a beaucoup de monde qui est autour de moi, mais je suis seul. Et alors il a donc dans son corps physique, donc il a le chiffre 20. Donc il y a on voit que il y a l'associatif qui est bien entendu en ligne de mire derrière, hein. C'est-à-dire derrière son 1, il y a l'associatif. Mais il faut que cet associatif revienne vers lui. C'est important. Alors, c'est quand même compliqué parce qu'il a un chemin de vie 9 qui veut dire que il faut qu'il aille vers les autres. C'est-à-dire le chemin de vie 9, c'est un chemin d'accomplissement. Il va vers les autres. Mais il va vers les autres tout en restant seul. C'est-à-dire que il a tout le spectre en fait. Mais bon, c'est parfaitement réalisable. Hein. Mais c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il va pouvoir évoluer, se transformer. Gérer son associatif en étant seul. Effectivement, c'est ça. Il faut toujours qu'il soit seul pour pouvoir travailler comme il faut. Il sera productif que comme ça. Mais c'est ça, ça répond bien. Ça répond bien. Oui, effectivement, c'est pour ça qu'il m'a tiré la. C'est trop bien. C'est pour ça qu'il m'a tiré la carte de la solitude. Donc, ça répond bien. C'est bien ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, tout à fait. Voilà, Butterfly Love, parfait. C'est parfait. Merci beaucoup, Papillon, et merci à toi, Jean-Frédéric, c'était super. C'est fou, hein, comment on est arrivé vraiment dans le truc parfait. C'est bluffant, vraiment. Alors, la personne suivante, c'est Vanessa, qui est née le 28-12-88. Et donc, au niveau des chiffres, on n'était pas bon. Donc, je te laisse faire le calcul. Et pendant ce temps, je vais un peu plus bas parce que j'ai vu qu'elle avait mis ses. Alors, c'est où le 4 ou le 28 un voilà. Peu plus bas. Il faut qu'elle me donne ou le 4 ou le 28, hein, parce que sinon, c'est pour effectivement. Attends. Elle les a remis un peu plus bas. Voilà, c'est zut, je me suis trompée, je voulais écrire 28 et 4. Voilà. 38 et 4. D'accord. Ok, 4 et 38. Voilà. Alors, 26, donc ça me donne 26, plus 12, plus 28, 66, 12, 3. Ouais, 8, 10, 1, 3, 8, 9 et 3, 12, 2 et 1, 3, 9. Donc, alors le 4. Alors, le 4, on repart sur la souffrance. On ressort le quart d'heure. La souffrance. Et là, 38, parle bien, hein. Encore une fois, mes cartes parlent bien, ouais. C'est un bonheur, ces cartes.
Alors, voilà la carte. Alors, voilà le, ouais, le, voilà, voilà la carte de la souffrance, le 4, hein, qu'elle me donne. C'est-à-dire, je suis dans une situation inconfortable, mais je préfère cette situation inconfortable parce que je ne veux pas souffrir, donc je ne veux pas avancer. Et la clé, c'est la discussion sincère, c'est-à-dire aller vers l'autre pour discuter de ses manques. Alors, si je fais son chemin de vie, j'obtiens donc 66, ça fait 12, que je réduis, ça me fait 3. Chiffre 3. 3, c'est la communication. Et là, en âme, 12, ouais. Le 3. Donc, elle me sort deux fois. Elle l'a à la fois en chemin de vie et elle l'a à la fois. Voilà. Donc, discuter avec les autres, c'est quoi? C'est la communication. Donc, elle me sort bien la carte de la communication. Donc, il faut qu'elle travaille sa communication ou qu'elle apprenne à communiquer et qu'elle ose communiquer. Et c'est important puisque elle est dans son mental, elle a le chiffre 28. Alors, ça donne 10, c'est-à-dire le 1, mais il est fait du 2 et du 8. Donc, le 2, c'est l'associatif. Donc, il faut que j'aille vers l'autre. Si je ne vais pas vers l'autre, je ne peux pas me réaliser moi-même. Et pour aller vers l'autre, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, il faut que je communique. Donc, il faut que je sorte de mon état d'inconfort dans lequel je suis, qui est un ni oui ni non, pour pouvoir aller discuter et parler de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. Parce que si on ne parle pas, on ne peut pas se comprendre. Hein? Donc, la communication, c'est ça. Alors, évidemment, après, on est un être multidimensionnel, donc il faut qu'elle apprenne, parce que ça ressort bien quand même. Hein? Si je prends son corps, au niveau du corps physique, elle a le chiffre 26, donc elle a de nouveau le 2, elle a le 6, l'harmonie. Hein? C'est-à-dire que ça nous dit que si effectivement elle arrive à communiquer comme il faut, elle va devenir ce 6 qui est un soleil. Le soleil, c'est l'harmonie, c'est la maison, etc. Donc ça va amener beaucoup de bien-être, etc., à condition qu'elle communique. Si elle communique pas, ça va être plus compliqué. Donc, il faut vraiment qu'elle prenne conscience qu'il faut qu'elle communique, qu'elle sorte de son mutisme ou de cette situation dans laquelle elle semble être, en tout cas, pour pouvoir avancer, pour pouvoir grandir. Parce que sinon, là, elle est bloquée et elle pourra pas aller plus loin, quoi. C'est pas possible. Si je puis me permettre, parce que je connais Vanessa, ça serait, je pense, la connaissance sortir de sa zone de confort, en fait. C'est ça. Mais elle est sur le bon chemin. En plus, on s'est parlé tout à l'heure et elle est parfaitement dans ce chemin-là. Donc, c'est génial. Encore une validation, tu vois. Bon, mais c'est ça, hein, en fait. Hein. Voilà. Il faut, pour pouvoir avancer, hein, des fois c'est pas facile. Hein, et alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que, bon, ça je l'ai pas encore dit, mais quand on est sur un chemin où on doit avancer et qu'on veut pas avancer, l'univers à un moment donné, il va dire, elle veut pas avancer, ben on va la forcer à avancer. Et là, des fois, il nous arrive des trucs qui sont pas très. Voilà, c'est au moment où on s'y attend le moins qu'on se prend des claques, quoi. Mais bon. La vie est une école permanente du début jusqu'à la fin. Ce qu'on appelle un cheminement. Voilà. Mais on ne peut pas dire à un moment donné, bon, bah, ça y est, hop, je suis bien, puis je m'arrête, puis je me repose sur mes lauriers, puis je regarde. Et non, ça ne se passe pas comme ça. Voilà. Et on peut travailler jusqu'à 90 ans. On n'est jamais. C'est pour ça que enfin, je dis ça, je fais un peu une digression là, mais ça fait rien. On n'est jamais à la retraite. Le mot retraite est un mot qui devrait être rayé du langage français, du dictionnaire tout court, parce qu'on n'est jamais à la retraite. On évolue. On est dans une évolution qui est permanente. Hein, et il y a des gens qui commencent
à évoluer, qui prennent conscience de qui ils sont à 75 ans et qui, de 75 à 85 ans, vont progresser. On n'est jamais à la retraite. On avance toujours, 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 toujours. Et c'est ça qu'il faut prendre conscience. Si on est dans son instant présent, il n'y aura pas de souci. Si par contre, on a tendance effectivement à se reposer sur son ego, ça va être compliqué. Parce que là, quand l'heure de la retraite va vraiment sonner, la retraite, je veux dire, travail, ça va être compliqué. Parce qu'on va dire, oh, ça y est, j'ai fini de travailler, oh, qu'est-ce que je vais faire ? Des mots croisés, je regardais la télé, hop, ça y est, c'est fini, quoi. Et non. C'est faut se dire une chose, c'est que c'est l'occasion de pouvoir démarrer autre chose. Et bien démarrer autre chose. Pas de quoi se. Alors, attention, là aussi, je mets un distinguo. Il ne s'agit pas de s'occuper l'esprit, il s'agit de créer quelque chose. Hein? Il faut être dans la création. Il ne s'agit pas de s'occuper l'esprit en disant oh, ben, je vais faire un peu de ci, un peu de ça. Non, il ne s'agit pas d'occuper ses journées. Non. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se faire plaisir. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Mais il faut vraiment être dans quelque chose de créatif. Créatif pour les autres et créatif pour soi. Donc, on peut s'enrichir à travers des voyages, on peut s'enrichir à travers plein de choses. Mais il faut dire une chose, c'est que l'élévation de la conscience, elle est permanente. La conscience n'a pas d'âge, hein. Donc elle est permanente. Donc on évolue de manière permanente. Et ça, il faut vraiment en prendre conscience. Je sais qu'aujourd'hui, je fais plus de choses maintenant que ce que j'en faisais il y a ne serait-ce que 25 ou 30 ans en arrière. Hein. Voilà. Mais voilà. Et ça me permet d'ailleurs de vivre des événements qui sont d'ailleurs en ce moment très, très curieux parce que j'ai des flashbacks d'événements que j'ai vécu il y a plus de 50 ans en arrière, mais que je vis comme si j'y vivais là il y a 2 minutes. C'est très curieux ça. J'ai des trucs qui me reviennent comme ça il y a 2 minutes. Mais bon, c'est. Voilà. Alors, c'est sans doute peut-être un regard qu'il faut que je pose sur ce passé par rapport à un passé qui n'est pas, puisque c'est toujours dans l'instant présent, mais voilà, par rapport peut-être à des émotions que j'ai vécues à ce moment-là, quoi, des émotions agréables que j'ai vécues à ce moment-là. Mais voilà, comme les hasards n'existent pas. Donc, voilà. Et ça permet justement de pouvoir faire travailler sa mémoire. Plus on travaille, plus on écrit, plus on travaille, plus on travaille sa mémoire. Et plus c'est facile de retenir. Il n'y a pas d'âge, hein, pour te. Hein, c'est une croyance de dire, oh non, à 30 ans ou à 40 ans, à 60 ans ou à 70 ans, non, la mémoire est fatiguée, on ne travaille plus. Non, non, c'est une connerie monumentale. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Alors, comme dit Aurore, merci, c'est parfait, le handicap. Bon, ben c'est bien. Voilà. Bon, ben il faut qu'elle communique. C'est ça. Oui. Alors, il y avait. Je remercie Vanessa donc pour ses chiffres et Aurore aussi pour son retour. Et il y avait Papillon Love qui demandait à quoi servent les élixirs floraux dans le jeu. Alors, quand on est thérapeute ou quand on est ou simplement pour soi ou si on le fait en famille ou voilà et qu'on a des gens donc qui et qu'on fait tirer une carte, vous savez généralement quand vous avez quelqu'un qui vient, enfin moi je le fais souvent en coaching, quand vous avez quelqu'un qui vient, c'est qu'il vient pour quelque chose. Bon, parce que si tout allait bien, il viendrait pas. Bon. Donc, des fois, plutôt qu'un long discours, ben, il suffit simplement de lui faire tirer une carte. Et là, on a la réponse. Donc, généralement, on va bien sûr appuyer, on va expliquer les choses. Mais les élixirs floraux, ben, c'est un complément. Par exemple, quelqu'un qui a tendance, par exemple, à faire de la dépression, ben, c'est bien de lui donner du millepertuis. Parce qu'on sait que s'il prend du millepertuis,
ça va l'aider dans son dans sa thérapie par rapport à sa problématique, quoi. Voilà, ce sont des aides, hein. Alors vous avez quelqu'un qui par exemple a besoin n'a pas confiance en soi, ben c'est bien qu'il s'accompagne d'un élixir floraux quand il va travailler sur lui-même. Donc c'est pour ça que je les ai mis. Voilà. Alors dans les élixirs floraux, il y a les fleurs de Bac, les fleurs de Bac, c'est une marque, hein. Donc les élixirs floraux, ça englobe tout ce qui est. Bon, je suis pas spécialiste hein, des élixirs floraux, mais j'ai trouvé que c'était intéressant donc d'avoir ce complément. Voilà. C'est un complément, oui, tout à fait. Bon, on apprend encore un ou deux. Bon. Oui, c'est ce que j'allais te poser comme question. On prend encore ou ouais. Moi, j'ai encore en prendre un ou deux. Heures. Ouais, on va encore en prendre un ou deux, puis on s'arrêtera là. D'accord, ça marche. Alors, il y a Valérie Puduano, Renard. Qui dit bonsoir à tous. Le 4 et le 8, non, ça va pas aller, Valérie. Je suis désolée. Du coup, on va passer à la personne d'après. Non. Donc, on peut dire à Valérie que le 4, c'est la souffrance. Donc, là aussi, c'est un inconfort qu'il faut qu'il se transforme à confort. Et elle me sort le 8. Ça répond bien, hein, parce que le 8, c'est ne pas déranger. Voilà, elle me sort le 4, la souffrance. Voilà, elle me sort ces deux cartes-là, qui sont très complémentaires, d'ailleurs. Hein, voilà. Hein, 4 et 4, 8. Ça parle bien, hein, parce que même, je n'ai pas fait exprès hein, quand j'ai fait le. Voilà. Je suis dans ma zone de non-confort et j'ai comme ça je suis sûr de pas déranger. Ben non, il faut sortir de sa zone de confort et oser dire ce que l'on a à dire ou à faire. Voilà. Parce que c'est la première chose pour arriver déjà à se respecter soi-même et s'aimer soi-même. Alors, Jean-Pierre Digard, idem Béa. 13 et 42. Ah, me sort la carte de la maladie, Jean-Pierre. Peur de la maladie. Ah. Alors, la maladie, il y a des gens qui ont peur de tomber malade. Hein. Alors, comme dit la peur de la maladie, donc. À 13 à 13. Donc la nosophobie et la peur de la maladie, c'est une phobie assez masculine, même si elle concerne aussi les femmes. Donc alors on a peur de contracter une maladie. Parce que il a pu avoir donc dans son enfance des parents ou des gens qui ont été malades autour de lui. Ça peut être la mère ou le père. Donc il a en fait enregistré dans son inconscient un climat où il y avait donc cette espèce de une certaine sorte de morbidité, une certaine forme de morbidité par rapport à ça. Donc, lié au médecin, voilà. Voilà. Alors, Jean-Pierre rajoute, je fais des soins énergétiques peut-être liés à ça. Oui, ben voilà, oui. C'est... Ça, il fait des soins énergétiques. Donc, voilà. Oui, alors c'est peut-être lié effectivement à ça, lié à la maladie, hein, tout à fait. Voilà. Mais alors, il ne faut pas oublier une chose, c'est que justement, quand on fait des soins énergétiques, les autres qui viennent se soigner chez lui, il les projette. Donc en fait, quelque part, ça lui appartient. Donc c'est en reconnaissant effectivement que
Oui, c'est ça, c'est QFD. C'est ça. Voilà. Hein? Voilà. Donc, la maladie est un message nous révélant un conflit intérieur non résolu, donc un refus d'accepter. Donc, c'est accepter, en fait, ces maladies qu'on a. Il ne s'agit pas de porter un jugement dessus, il s'agit simplement de les accepter. Alors, il me donne la carte 42. Les 42 après. Alors, oui, et c'est marrant parce que tu parlais des. Non, voilà la carte 42, oui, c'est ça. C'est la carte. Quelle pensée résonne en moi, c'est ça. Hein? Est-ce qu'on est dans une pensée positive ou dans une pensée négative? Voilà. Il faut penser une chose, mais il doit le savoir, puisqu'il est thérapeute, c'est que quand on est malade, la maladie, le mal a dit. Hein? Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Le mal a dit. Donc, ça veut dire que c'est une projection dans la matière d'une négativité qui est présente depuis très longtemps, alors soit dans cette vie, soit sous forme de mémoire. Et que comme cette négativité n'a pas été acceptée ou transcendée, et qu'on a mis ça quelque part, ben ça provoque une maladie. Voilà. Donc il s'agit de l'accepter et d'avoir un regard positif par rapport à ça pour pouvoir la transformer. Bon, ceci dit, ça ne veut pas dire, attention, qu'il ne faut pas aller chez le médecin se faire soigner, bien entendu. Mais il faut, bien entendu, mais il faut être dans l'acceptation et de comprendre en fait que derrière ça, il y a un trauma qui demande d'être soigné. Hein? Parce que la maladie, c'est juste un signal. Donc, il faut bien entendu soigner le signal, mais il faut aussi soigner ce qui est beaucoup plus en amont. Ce qui est en amont. Mais je pense que Jean-Pierre doit le savoir, c'est puisqu'il est thérapeute. Hein, donc voilà. Mais je pense qu'effectivement, les cartes qu'il a tirées sont en lien par rapport effectivement à son activité. Oui, c'est ça. Oui. Mmh. Allez, une petite dernière. Allez, je remonte. Je regardais en fait dans les retours, mais il y avait rien de particulier. Alors, j'en étais où ? Là, là, là. Alors, on a une autre personne. En plus, c'est le dernier. Je pense qu'on a fait le tour. Qui nous met la 13 aussi, couplée avec la 50. C'est Pussycat. Pussycat, c'est... Ouais, ça fait très James Bond Girl, ça, Pussycat. Je sais pas, ça me fait penser à ça. Alors, la 13 et la 50. Que me dit la carte 13 ? Oui. Ah ben, la maladie. Hein, c'est encore la carte de la maladie, oui. Ouais, donc, ben voilà. Alors, je sais pas si... Elle est thérapeute ou quoi, mais bon, c'est un rapport avec une maladie. Derrière, il y a une question d'inconscience liée à ça. Et elle me sort la carte 50, qui est la carte de la gratitude. Alors, ça veut dire que bon, il faut remercier par rapport à ce que. C'est vrai qu'une maladie, à partir du moment où le signal est émis, c'est de remercier pour pouvoir conscientiser. Donc, c'est effectivement de pouvoir travailler. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, à un moment donné, j'ai dit la gratitude, même si on est dans une situation difficile, c'est bien de le faire tous les jours, régulièrement. Parce que la gratitude, c'est une clé essentielle dans notre vie de tous les jours. Vivre sans gratitude, c'est un non-sens. Voilà. Donc il faut vraiment, que la gratitude, ben, on y pense tous les jours. Merci d'être là, merci d'être en bonne santé. Je crois que c'est la plus grande. On parle de maladie, hein. Donc je pense que être en bonne santé, c'est la plus belle des richesses, c'est la plus grande des richesses. Hein? C'est pas l'argent, c'est pas de gagner, c'est pas de gagner 3 millions d'euros au loto. Hein. La plus grande des richesses, c'est la santé. Parce que je connais des gens qui ont beaucoup d'argent et qui sont très malheureux et qui sont malades. Hein. Donc l'argent ne fait pas le bonheur du tout. Même si on peut avoir l'illusion, même si on peut avoir l'illusion que de temps en temps il y contribue un peu, mais
Voilà. Donc, gratitude d'être en bonne santé, gratitude d'avoir un toit sur la tête, de ne pas dormir dehors, gratitude de pouvoir manger à sa faim, gratitude de pouvoir être entouré de gens qui m'aiment et que j'aime, gratitude d'avoir des animaux autour de moi, gratitude d'avoir un véhicule pour me déplacer, il y a des gens qui n'ont pas de véhicule, gratitude de pouvoir, etc., etc. Enfin, je veux dire, on en trouve plein. Et de le faire tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je veux dire, c'est vraiment important, je le dis et je le répète. Hein. Il y a toujours tous les jours quelque chose à gratifier. C'est important, ça. La gratitude, c'est... Moi, je la pratique tous les jours. Enfin, je sais que quand je... Bon, mais c'est bien, elle me met, je ne suis pas thérapeute, mais j'aide parfois certaines personnes avec les huiles et je remercie tous les jours. Voilà, bon. Donc peut-être que la maladie, effectivement, est liée par rapport à... Ce qui m'a fait marrer tout à l'heure, Jean-Frédéric, c'est qu'au moment où tu sors la carte de la gratitude, au même moment, j'ai son message qui dit « Merci beaucoup à vous deux » qui apparaît, tu vois. Donc, c'était vraiment une synchronisation parfaite. Voilà, mais c'est ça. Hein, je veux dire... La gratitude, c'est une clé majeure, ça fait partie des lois universelles à connaître, hein. C'est-à-dire, soyez toujours, gratitude pour un sourire d'une personne qui m'a fait un sourire dans la rue. Vous verrez que si vous êtes si vous êtes quelqu'un de bien aligné, quand vous marchez dans la rue, vous verrez que les gens vont vous regarder, vont vous sourire. Je vous donne ce truc-là. Je vous donne ce truc-là. Quand vous êtes bien aligné dans votre peau, vous êtes bien, vous marchez dans la rue, détendu, regardez, croisez le regard des gens, vous verrez que les gens vont vous sourire. Ça m'arrive très souvent. Voilà. Et je les remercie d'un sourire. Ce qui me renvoie, je les projette. Hein. N'oubliez pas que l'autre, il est là dans une projection. Il faut toujours avoir ça en conscience. Hein. Je sais que quand on est comme je dis souvent, dans la vraie vie, c'est-à-dire dans le quotidien et qu'on ne se rend pas compte, essayez de monter un peu et pensez que vous êtes dans une projection, que voilà, c'est ces petits riens qui vont vous faire avancer. Ça, c'est important, ça. Hein. La gratitude, c'est vraiment une clé exceptionnelle. En tout cas, donc, je voudrais remercier tous ceux qui ont participé aujourd'hui à cet échange. Hein. On va dire ça comme ça. Donc, voyez que c'est un jeu qui est à votre disposition si vous le souhaitez. Alors, je peux vous dire le prix. Je dis le prix à. Je peux dire le prix ou pas? Oui, mais il y avait une personne aussi qui demandait le nom de ton site pour pouvoir regarder ce que tu fais et peut-être te commander le jeu. Alors, me concernant, donc je m'appelle Jean-Frédéric Boulier, c'est écrit, ça apparaît. Alors, vous tapez ça sur Google, vous avez, alors il y a vous. J'ai deux pages Facebook. Hein. J'ai une page Facebook pro qui s'appelle Jean-Frédéric Boulier, coach de vie. Et vous avez une page Jean-Frédéric Boulier, Facebook, tout court. Je réponds aux deux. Bon, si vous tapez donc Jean-Frédéric Boulier, vous avez une page auteur qui est une page de portail. Et là, vous avez tous mes ouvrages qui sont disponibles. Vous avez donc le jeu de cartes. Vous avez un livre aussi, donc qui s'appelle donc se réconcilier avec soi-même, mode d'emploi. Justement, j'ai parlé de lois universelles. Dedans, il y a toutes les lois universelles à connaître. Il y a comment travailler avec l'univers dans son quotidien, etc., etc. Voilà. Il y a aussi ma biographie sur l'envol du pardon. Si vous voulez, je dis ça, c'est pas une obligation. Bon, le jeu, je crois, il vaut 39 €. Si vous souhaitez donc avoir une dédicace, que je puisse vous dédicacer le jeu, donc il faut m'écrire directement. Vous allez sur la page Facebook Jean-Frédéric Boulier, m'envoyer un message,
dites voilà, j'étais telle personne, j'ai participé à l'émission donc de tel jour, je voudrais avoir un jeu, etc. Donc je vous répondrai tout de suite et je vous donnerai mes coordonnées. On peut me payer par PayPal, enfin direct ou comme vous voulez. Voilà, et je vous enverrai le jeu. Voilà. Sinon, bon, il m'en reste quelques-uns. Sinon, ben vous passez directement par mon éditeur, qui est Nombre 7, Nombre 7, le chiffre. C'est Anime et vous tapez mon nom. Voilà, Nombre 7. Et vous tapez mon nom et vous aurez directement donc vous pourrez le commander directement sur Internet. Voilà, je pense que voilà, et j'organise aussi, donc je suis coach et j'organise, alors je le dis aussi pour celles et ceux qui seraient intéressés, donc j'organise aussi des ateliers et qui permettent de travailler sur soi-même. Là actuellement, donc j'ai fait des ateliers de numérologie et on va mettre en ligne donc prochainement un atelier qui permet de calculer justement son chemin de vie et de calculer ce qu'on appelle des sororités. C'est-à-dire qu'en fait, si vous êtes en couple, ben avec la date de naissance de monsieur et la date de naissance de madame, eh ben on voit la compatibilité qu'il y a entre l'un et l'autre et on voit si c'est un couple de, pour reprendre, de fusion ou si c'est un couple de travail. C'est-à-dire que l'un est là pour faire travailler l'autre. Voilà, parce que, voilà. J'en dis pas plus. Ça va. Je vais envoyer le synopsis là, à Najat là, demain ou après-demain. Et l'atelier donc sera disponible pour début juin. Voilà, autour du 10 juin. Voilà, j'ai pas la date en tête. Ouais. Donc voilà, si ça vous intéresse, voilà. Sinon, ben je vous dis, je suis quelqu'un de parfaitement joignable et je réponds à tout le monde, même si j'ai peu de temps, mais je trouve toujours le temps. Voilà. Quand on est dans son instant présent, on trouve toujours le temps. Voilà. Et on prend le temps et on donne du temps. Voilà. Mais il me reste à vous remercier. Je vous remercie tous et toutes. À très bientôt, j'espère. On va se revoir d'ailleurs très prochainement pour une émission au mois de juin pour calculer les chemins de vie. Début juin. Début juin. Ouais, voilà. Tout début juin, je crois. Voilà. Bon, mille merci, voilà. Bonne nuit, belle fin de soirée. Et puis, ben, à bientôt. Et prenez soin de vous. Ben, je vous souhaite, oui, surtout. Je vous souhaite aussi une très très belle nuit à tous. Que dire? Je vais faire un petit point avant de clôturer avec vous sur les rendez-vous de cette semaine. Donc mercredi, nous avons un soin RVF avec la pétillante Christine Pierlot. Et donc ça c'est mercredi à 21h et c'est sur réservation. Et pour jeudi, il y a le prévisionnel en astrologie avec Jacques Birolini et Aline. Voilà, vous savez tout. Ben, je vous souhaite à tous une très très belle soirée, très très belle nuit. Et je vous remercie pour votre présence, pour votre participation qui a été super active sur le chat. C'était super chouette. Et il y avait une très bonne ambiance et je vous en remercie infiniment. Merci à toi, Jean-Frédéric, avec pour plaisir. Cette soirée et pour tout cet accompagnement, pardon, que tu nous offres. Et donc, je vous dis à très, très bientôt. Bisous à tous. Au revoir. Bye bye. Ha ha.